Bon, voilà, on s'en sort quand même. On s'en sort quand même, on se débrouille pas mal. Donc ici, ça, on peut continuer. J'avais utilisé les stylos électroniques pour écrire, mais malheureusement, ça, sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on continue. On peut continuer, mes amis. Francis, on peut continuer. Où sont les autres? Ils sont sortis? Bon, je vois, ils sont là, ils sont connectés, c'est bon, on peut continuer. Donc, je disais que le choix de système de reproducteur, donc l'objectif du choix du système de reproducteur, c'est d'augmenter le succès de reproduction. C'est-à-dire qu'augmenter, assurer la pérennité de ses gènes, c'est assurer la pérennité de son espèce. C'est ça donc l'objectif. Alors, nous avons un exemple de système de reproduction. Comme exemple de système de reproduction, nous avons la société ou la caste chez les abeilles. Ça, c'est chez les invertébrés. La caste chez les abeilles est constituée de la reine qui est l'unique à se reproduire, des ouvriers qui sont de femelles stériles ayant comme rôle la défense. Des autres, donc c'est-à-dire que la défense de la caste ou de la ruche, les nettoyages et les brisages des couvains. Donc après, nous avons des couvains qui sont composés de œufs et des larves. Nous avons les mâles qui ont pour rôle la fécondation de la reine. Bon, un seul mâle qui finira par féconder la reine. Au cours de ce qu'on appelle le vol nuptial. Alors, vous avez dans cette ruche ou caste, vous avez une caractéristique. Ça, c'est la caractéristique sociale des abeilles. Les abeilles utilisent un langage. Et langage qu'ils utilisent pour partager l'information, qu'on appelle le langage des abeilles. Et dans ces langages, voilà comment ça, c'est la danse que les abeilles, qu'on appelle les butineuses. Les butineuses, ce sont des abeilles que vous voyez lorsque autour de fleurs, ceux qui viennent, les abeilles qui viennent lorsque la période de floraison commence, lorsque la période de floraison commence, vous allez voir qu'il y a des abeilles dans nos habitations qui arrivent pour butiner, qu'on appelle les butineuses. Et les butineuses, dès qu'elles arrivent là où il y a une source d'alimentation, exécute une danse. Et c'est cette danse-là qu'on appelle la danse des abeilles, qui est l'une des caractéristiques principales chez les abeilles, l'une des caractéristiques principales de la ruche ou de caste chez les abeilles. Alors, vous avez ici le A comme premier type de danse, ici. Donc, nous avons le A, premier type de danse. Donc, avec le A ici, j'étais en train de voir tout le monde, OK. Nous avons le A comme premier type de danse. Lorsque la butineuse est en face d'une source alimentaire, en face d'un aliment qui peut être le grain de pollen, par exemple, ou du sucre, lorsque la butineuse exécute une danse à rond. Ici, par exemple, je vais vous envoyer la vidéo pour bien visualiser cela. Il y a eu une vidéo pour ça. Peut-être à la fin, vous aurez une vidéo.
Lorsque la bitnèse exécute une danse à rond, il y a tout un message qui est donné. Le message à rond, ça signifie que les aliments ne sont pas à une grande distance, à une distance de moins de 5 mètres. À une distance de moins de 5 mètres de la ruche. Donc, ici, vous voyez cette danse à rond. Le A, cela veut dire, c'est une information, un langage, un message que la bitinaise donne aux autres pour dire que vous pouvez me suivre. Les aliments ou les grains de pollen, par exemple, que je viens de trouver, ça se trouve à une distance de moins de 100 mètres. La bitinaise peut aussi exécuter une danse en 8. Cela veut dire que les aliments ou la nourriture que je viens de trouver, si vous voulez me suivre, préparez-vous. Cette nourriture est à une distance de plus de 100 mètres. En plus de la danse à rond ou la danse en 8, la bitinaise peut aussi faire d'autres mouvements, par exemple, monter verticalement. Cela veut dire que vers, par exemple, le coucher du soleil, donc on doit se diriger vers le coucher du soleil, soit à l'est ou à l'ouest, à plus de 100 mètres pour trouver ces aliments-là. Donc, c'est un langage qu'on utilise. C'est un langage qui a été très, très, très bien étudié par les chercheurs. Et ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose comme de mythe ou de proverbe ou un verset biblique. Mais ça, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'expériences. Beaucoup de chercheurs ont fait des études pour comprendre ces langages des abeilles qui caractérisent même la société des abeilles. Donc, comme je disais, je vais vous envoyer une vidéo après le cours d'aujourd'hui. Alors, chez les invertébrés, nous avons l'autre type de système de reproduction, une société bien structurée. La caste chez le termite s'appelle termitière. Termitière, c'est la caste où cette structure, cette société bien structurée est fermée. Alors, la caste chez les abeilles est constituée d'un roi et d'une reine. Vous voyez la différence déjà. Pour le cas des abeilles, il n'y a pas de roi. Il y a seulement plusieurs mâles, dont un seulement qui va féconder la reine au cours du vol nuptial. Et après avoir fécondé la reine, s'écrase et son séjour prend fin. Dans la caste chez les termitières, le termite s'appelle termitière, leur caste ou leur société. Nous avons un roi, nous avons une reine, et ce sont ces deux individus qui sont uniques à se reproduire. Donc, nous avons dit, rappelez-vous, que dans une société doit être caractérisée par le partage de tâches, spécialisation. Donc, il faut qu'il y ait partage de tâches dans une société bien structurée. Le fait qu'on parle même d'une société bien structurée, c'est surtout le partage de tâches, comme on a dit. Rappelez-vous, le début de sociabilité que nous avons vu hier. Donc, vous avez deux, dans le cas des abeilles, celle la reine, c'est le produit. Pour les cas de termites, nous avons le roi et la reine qui sont les deux membres de la caste capables de se reproduire. En plus, nous avons des ouvriers. Ici, contrairement aux abeilles, pour les cas de termites, les ouvriers sont des mâles et des femelles stériles, avec comme même rôle nettoyage, nourrissage de toute la colonie par trophallaxie. Trophallaxie, c'est de bouche en bouche. Donc, on se nourrit de bouche en bouche. C'est ça qu'on appelle la trophallaxie.
Et lorsqu'on se nourrit de bouche en bouche, en même temps, on se fait passer des hormones. Et c'est par cette méthode-là, de la prophylaxie, qui fait que finalement, pendant que les membres de ce groupe se nourrissent, il y a d'autres qui sont rendus stériles. D'autres membres sont rendus stériles par le roi. Donc la reine sécrète une substance, le phéromone, qui fait que finalement les autres membres de la caste ou de la communauté ne peuvent pas se reproduire. Donc les autres membres ne peuvent pas se reproduire parce que la reine produit, c'est aussi la même chose pour le cas des abeilles, la reine produit des substances qui inhibent le développement des ovaires chez d'autres membres de la société, et ce qui fait que finalement, au final, elle est la seule à se reproduire avec le roi. Alors, nous avons des soldats dans l'intermédiaire qui ont pour mission la défense contre les intrus naturels, les fourmis par exemple, et donc, nous avons des termites ailées, mâles et femelles, qui attaquent la termitière pour fonder l'autre. Donc, vous voyez, ça, c'est une forme d'organisation. Ça, c'est une organisation. Une société structurée. Dans cette société, l'ordre et l'harmonie dans cette société provient de cette tendance d'attaque et d'éviter l'autre. Donc, l'ordre et l'harmonie dans cette société provient de la tendance d'attaque et d'éviter l'autre. Donc, la distance critique individuelle, c'est ce qui est à la base ici. Je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où nous avons vu hier le policier qui a arraché l'arme à un militaire. Vous voyez, ça, c'est extrêmement grave. Ça signifie que si le militaire n'a pas obtempéré aux ordres, il semble, je dis bien, il semble qu'il avait pris le sens unique. Si il n'a pas obtempéré aux ordres de policiers qui étaient en fonction, qui l'ont demandé de ne pas prendre le sens unique, et que le militaire s'est entêté, cela veut dire que le militaire a réduit sa distance critique individuelle. Il a réduit sa zone de confort ou sa zone de respect, et par conséquent, bien que garde républicaine, nous avons vu comment est-ce qu'il a été malmené par le policier. Ce n'est pas bien, c'est un acte condamné que nous condamnons. Il ne veut pas régler la chose de cette façon-là, mais du moins, ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'on peut être fort, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut être très intelligent. Mais lorsque vous attaquez les autres, lorsque vous n'évitez pas les autres, on peut vous faire sortir dans votre zone de confort, on peut réduire votre distance critique individuelle et avec comme conséquence l'humiliation. De la conséquence, l'humiliation. Dans cette société que je suis en train de vous présenter, la distance critique individuelle est une règle. Sans cette distance critique individuelle, sans cette distance critique individuelle, on ne peut pas avoir l'ordre et l'harmonie. Ce sont des sociétés bien organisées. Des sociétés bien organisées, et chaque individu, quand vous regardez, je vais vous envoyer la vidéo aussi, vous allez voir la répartition des tâches. Chaque individu sait ce qu'il doit faire. Donc, vous avez le roi sait exactement. Le roi ne peut pas, par exemple, aller faire le travail des soldats. Donc, les mâles et les femelles stériles ne vont pas se mettre à la place de la reine. Et c'est de cette façon que la société, la caste des termites ou des abeilles, se présente, et au final, nous avons des sociétés très bien élaborées, très bien structurées. Et d'ailleurs, l'objectif même pour les humains est d'adopter ces modèles de société où vous avez que le niveau d'organisation a atteint un niveau vraiment supérieur, des sociétés
très bien structurée de telle sorte que les individus dans chaque caste ne peuvent, un individu ne peut pas vivre en dehors de cette organisation. Dès qu'on sort de l'organisation, de cette communauté, et c'est fini, on disparaît en mer. Donc ça, c'est le système de reproduction comme modèle chez le vertébré, le cas de termites. Donc chez les termites, nous avons comme caste ou société qu'on appelle termitière. Chez les abeilles, leur caste, c'est quoi? C'est la ruche. Et vous avez la composition. À fonction du membre que nous avons, chaque membre joue un rôle précis. Il n'y a pas chevauchement. Il n'y a pas chevauchement de tâches. Chaque membre de la communauté sait exactement ce qu'il doit faire. Et chaque membre de la communauté respecte sa distance critique individuelle. Et c'est respect de la distance critique individuelle qui fait que finalement, on se retrouve avec une société bien organisée, une société où il y a de l'ordre et de l'harmonie. Alors, caractéristiques sociales importantes chez les termites, nous avons, ça c'est la caste est régulée. Donc, ça c'est la caste est régulée par les hormones selon le besoin de la termite. Caste régulée par les hormones selon le besoin de la termitière. Donc, comme je disais que la femelle, donc la caste c'est au féminin, ça l'est corrigé. La caste est régulée, donc la caste au féminin. Donc, je disais que ici, je disais que ce n'est pas n'importe quelle femelle qui peut se reproduire. Donc, la caste est régulée par les hormones selon les besoins de la terre entière. Donc, les hormones, ce sont des messagers biologiques. Donc, ce sont des messagers, donc des messages biologiques que la reine, lorsqu'il y a un besoin dans la termitière, par exemple, la reine disparaît ou son âge est beaucoup avancé, elle ne sait plus se reproduire, on peut avoir un peu d'autres informations pour former parmi les femelles stériles. C'est parmi les femelles stériles qu'il n'y aura pas, qu'il y aura donc, je voulais dire, une autre reine. Alors, la répartition des tâches et la survie d'un sujet dépendent de la communauté. Donc, la répartition des tâches. Donc, dans une société, il faut qu'il y ait une répartition des tâches. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches. Une hiérarchisation et une répartition des tâches. On ne peut pas vivre dans une société comme la jungle, parce que même, vous voyez, quand on dit que les animaux vivent dans la jungle, non, il n'y a pas de jungle. Quand on dit que les lions, c'est le roi de la jungle, non, ce n'est pas la jungle, mais dans la forêt, à l'état naturel, c'est vraiment une organisation. C'est vraiment une organisation, il ne s'agit pas de jungle, c'est vraiment une organisation. La jungle, chez les humains, où il y a la jungle. La jungle, par exemple, quand vous allez au Rompuingaba, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle jungle. Vous allez, par exemple, au Rompuingaba, vous allez sur Victoire, quelqu'un qui se réveille un bon matin, bon, qui prend ses affaires, il dépose, il commence à vendre. Quelqu'un prend sa voiture jaune, des 107, il dépose ça devant sur la route et les gens commencent à passer de l'autre côté. Quelqu'un qui se réveille le matin, il se dit bon, il commence à couper la route parce qu'il veut faire passer le courant dans sa maison. Beaucoup de routes à Kinshasa ont été détruites comme ça. Il prend l'appel, il commence à creuser, à casser la route parce qu'il y a les tuyaux qu'il doit faire passer par là. Et puis dès qu'il finit de mettre du sable, et les jours suivants, c'est des rochers qui commencent la route cassée. C'est du côté de Ngaba. Si vers sur l'avenue universitaire, vers Mazengele, ça n'existait plus avant, mais c'était ça la cause, parce qu'il fallait que le courant passe d'Engaba vers Makala, et ainsi de suite, et il fallait couper la route. Ça, c'est la gêne. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a les gens, à principe, qui sont spécialisés pour faire ce travail-là, mais peut-être ils ont démissionné. Donc, et au final, nous avons une société mal structurée, mal organisée, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi.
Quand vous regardez la répartition des tâches, même dans nos institutions, par exemple, vous avez d'autres structures comme CENSA. Je ne peux pas citer le nom de structure CENSA, par exemple. Vous avez des structures budgétivores, lorsqu'on regarde leurs tâches, quelle est finalement la tâche et l'importance de toutes ces structures qu'on trouve pendant que les gens cherchent de l'argent, on ne voit pas. Vous allez voir dans les bureaux d'un ministre, beaucoup de conseillers. Il y a une époque, c'est à l'époque de ministre, je crois, Mouzito. Je crois que c'est lui qui avait battu les records de nombre de conseillers. Hein. À la faculté des sciences, déjà, là où vous êtes, il avait trois conseillers. À la faculté des sciences, il avait trois conseillers. Donc, il avait plus de 200 conseillers. Mais lorsque vous avez plus de 200 conseillers dans leurs tâches, ils font quoi? Vous voyez, à ce moment-là, on assiste à une société mal structurée, les ordres sont mal donnés et au finish, il y a les résultats escomptés et négatifs. Alors, chez les vertébrés, nous avons fini, ce sont là quelques exemples, je vais vous envoyer les photos pour le cas des termites, le tout jeunet. Et je vais vous envoyer pour voir un peu le système de reproduction, de quoi est construit le système de reproduction. Alors, chez les oiseaux, par exemple, on utilise, pour étudier cela, ça c'est la méthode, on utilise la méthode d'observation directe. Donc, on peut étudier la méthode d'observation directe. Donc, là, on a affaire à une espèce connue ou inconnue, et il y a les grégarismes et consorts. Ça, ce sont des méthodes qu'on utilise pour étudier les systèmes de reproduction, comme ce que moi je fais. Ce n'était pas vraiment le système de reproduction, mais j'ai quand même publié un article en rapport avec la reproduction de Martin Pêcheur IP. Là, j'étais obligé, parce que ce sont des espèces qui nichent, hein? Ce sont des espèces nidicoles, je voulais dire. Les gènes passent un peu de temps. Après l'éclosion des œufs, les gènes passent environ 16 à 17 jours au nid avant de s'envoler. Ça, ce sont des méthodes d'observation. Donc, vous avez les œufs et après l'éclosion, le gène reste. Mâle et femelle nourrissent leurs gènes. Ça, c'est... Chez les vertébrés, nous avons aussi donc le système de reproduction. Alors, pour bien étudier le système de reproduction, ça, vous allez voir ça avec l'assistant Gandou, parce qu'il m'avait demandé s'il y avait moyen. Non, là, vous êtes en deuxième licence, mais du moins pour ceux qui sont à première licence, ils voulaient qu'ils partent avec eux pour faire les observations des oiseaux à Boulmene, mais je crois que vous avez aussi observé, vous avez le cours de biologie, donc ici on utilise le bag au marquage, les émetteurs, les consorts. Ça, ce sont les moyens qu'on utilise pour étudier le système de reproduction chez les oiseaux. Donc, on ne peut pas étudier le système sans baguette, sans marquer, sans émetteurs radio. Mais moi, personnellement, j'avais utilisé le bag pour le suivi de gènes de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et ça pouvait me permettre de déterminer aussi la fidélité aussi de nidification, aussi de reproduction, voir un peu si une espèce peut aller revenir au même endroit, peut se reproduire combien de temps et quels sont les facteurs qui font que cette espèce puisse utiliser à tout moment le même site qu'on appelle le site de nidification, la fidélité au site. Voilà, ça, ce sont les méthodes que vous allez voir en détail dans les notes. Alors, nous avons aussi chez les lions, le cas des lions aussi, il y a aussi un système de reproduction. Le système de reproduction chez les lions qu'on appelle caste, vous avez, chez les lions, on parle d'une troupe ou une bande. La bande des lions est constituée des mâles adultes, donc qui peuvent être au nombre de 2 à 3 ou plus. Il y a des femelles, 3 à 8, en âge de se reproduire, des lionceaux d'âge variable. Et chaque arbre occupe
un territoire de quelques kilomètres. Ça, c'est caste. Caste chez les lions qu'on appelle, chez les lions, leur caste. Leur société de lions, on appelle ça troupe ou bande. Ça, c'est la composition. C'est ça, leur système de reproduction. Ça, c'est leur système de reproduction. Donc, vous avez des mâles, 2 à 3. Nous avons des femelles, 3 à 8. Nous avons des lionceaux et vous avez chaque arbre où chaque troupe occupe un territoire de quelques kilomètres. Et c'est un territoire qui le défend selon le principe que je vous avais montré, la défense du territoire. Et lorsqu'on parle d'un territoire qui est défendu, ça signifie que dans ce territoire, on défend la nourriture, le site de nidification, de reproduction. On défend aussi le site, donc les intrus ne peuvent pas entrer. Dès qu'il y a les intrus qui entrent, à ce moment-là, c'est la bagarre qui est déclenchée. Soit l'intrus est détruit, ou soit ce sont des... Donc, selon le principe, la territorialité, ça s'applique dans tous les cas. Alors, outre la harpe territoire chez les lions, nous avons aussi les vieux mâles qui est souvent expulsé de la bande. Donc, chez les lions, le vieux est souvent expulsé parce que nous avons dit que nous avons des gènes. L'utilisateur de Zoom est entré dans la salle d'attente. Bon, je m'admets, je ne sais pas c'est qui. Donc, je disais que outre tout ce qu'on vient de voir dans la bande, il y a aussi les mâles. Le vieux mâle, le vieux lion. Le vieux lion est souvent expulsé de la bande et il devient solitaire. Donc, mais l'expulsion s'est fait comment? Après une bagarre. Il y a une bagarre, il y a l'affrontement avec les jeunes qui doivent récupérer la place. Donc, ils vont se battre, on l'expulse, après une bagarre. Et ces gènes, ce sont ses propres gènes qui vont l'expulser. Ce sont ses propres gènes qui vont l'expulser. C'est un peu comme le sevrage, mais le sevrage est un peu très compliqué parce qu'à ce moment-là, ce sont les gènes qui chassent leurs parents parce qu'ils doivent le remplacer. Ils doivent aussi se reproduire. Et c'est là après la bagarre. Et généralement, lorsque le mâle est expulsé, la probabilité pour qu'il revienne devient très difficile. Il ne peut pas revenir parce qu'il est déjà faible et c'est donc la fin. Le jeune mâle immature ou à la recherche de femelles à conquérir. Donc ici, vous avez les jeunes mâles qui seront à la recherche de femelles pour la conquérir. Mais ici, je peux noter que chez les lions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le jeune mâle ici, le jeune mâle immature, vont chercher de femelles quelque part. Et là où ils trouvent d'autres mâles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer par se battre jusqu'à créer, même chez les femelles, le lion crée chez les femelles l'avortement. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à taper sérieusement les femelles, de telle sorte que si les femelles trouvées sont gestantes, qu'il y ait l'avortement. Et ça, c'est une façon pour les nouveaux hommes forts ou les nouveaux lions forts qui arrivent pour reconquérir cette arte, ce territoire, de s'assurer de son succès reproducteur, s'assurer que la laitance qui est dedans ou la colonie qui est formée uniquement avec la laitance ou le gène. Les nouveaux rois ou nouveaux lions qui est un peu plus fort que les autres. Donc, les femelles commencent à se reproduire à l'âge de 4 ans. La durée de gestation chez les lions est de 14 à 15 semaines. Voilà. Ça, ce sont des caractéristiques. Alors, caractéristiques sociales, sévrage des gènes mâles. Dès l'âge de 3 ans, c'est vrai, c'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, les jeunes sont chassés. 2 ans d'errance, ils trouvent une autre troupe dans laquelle ils chasseront un vieux mâle. Les jeunes mâles augmentent leur succès reproducteur en tuant les lionceaux trouvés
ou en occasionnant les avortements avec S chez les femelles gestantes dès leur arrivée. Des cas de polygamie et de polyandrie ont été observés. Je vais vous donner la vidéo après l'avoir corrigé quelques petites... est-ce que c'est possible de faire ça? Ah oui, c'est possible. Donc, nos troupes sont chassées. Les généraux augmentent les succès politiques en tuant aussi en occasion de la population. Voilà. Donc, voilà. Les jeunes mâles augmentent leur succès reproducteur. Le succès reproducteur, nous avons vu dans le système de production, dans notre premier dia, qu'on appelle fitness, parce que notre fitness dépend de nombre. Parce que si, pourquoi des cas de polygamie, pourquoi des cas de polyandrie, c'est juste le choix du système de reproduction est basé sur l'augmentation du succès reproducteur, assurer la pérennité de ces gènes, c'est ça. Donc, pour s'assurer qu'il y a augmentation et que ces gènes vont exister dans le temps, mais aussi longtemps possible, il faut commencer par tuer les gènes des autres lions et occasionner même les avortements chez les femelles gestantes trouvées. Avant de s'accoupler avec, on occasionne, on les tape, on occasionne, ça je ne recommande pas ça chez les humains, mais c'est comme ça que ça se passe chez les lions. C'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'avortements chez les lions. Alors, nous avons toujours chez les vertébrés, cas des primates non humains, nous avons les chevaux à main blanche de l'Asie, qui sont arboricoles, monogames, comme système de reproduction monogame, territorial, et il n'existe pas de rapport de dominance au sein de la famille. Donc ici, il n'y a pas de dominance, subordination. Mais la famille fonctionne, il y a de l'ordre sans qu'il y ait hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Il n'y a pas de dominance, subordination. C'est-à-dire que si, lorsqu'on utilise les interactions, la fréquence, donc la fréquence et la nature de relations dyadiques est trop faible. Et voire même, c'est-à-dire que lorsque vous y a, par exemple, de la nourriture, on laisse pouvoir un peu qui prend le premier, qui domine les autres, là, ça n'existe pas. Donc ça, c'est partage. Il y a un partage équitable, il n'y a pas de dominants, il n'y a pas des individus inférieurs, la société fonctionne de cette façon-là, tous, il y a une certaine équitabilité, donc il n'y a aucun problème. Ça fonctionne parfaitement, sans qu'il y ait dominance subordination. Nous avons aussi les papus amadrias, donc papus amadrias de plein d'Afrique du Nord, et c'est un singe qui est terrestre, il pratique la polygamie comme système de reproduction de la polygamie. Comme je vous disais que la vie sexuelle, la variabilité d'une société, rappelez-vous de ce que nous avons vu, hier, on a parlé de la vie sexuelle, nous avons dit polygamie. Donc, la polygamie, pourquoi le choix de la polygamie? Pourquoi le choix de la monogamie? Tous ces choix-là, c'est pour l'objectif ultime et l'augmentation du succès reproducteur. Ici, nous sommes dans une société qui n'est pas corrompue. Dans la société humaine, ça c'est du skit. La société humaine, ça c'est du skit. La polygamie, le choix de la polygamie, monogamie, ça c'est du skit. Mais du moins, ici, chez le vertébré non humain, lorsqu'il y a le choix, le nombre de partenaires sexuels, par exemple un mâle avec trois femelles, l'objectif ce n'est pas le plaisir comme ça se fait chez nous. Quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas beaucoup de femmes. Dès qu'il a beaucoup d'argent, le nombre de femmes augmente aussi. Ce n'est pas une société émotionnelle ou émotive. Mais ici, le choix de système de reproduction est modulé par
le besoin de la pérennité de ces gènes. Donc, le mâle cherche à pérenniser ces gènes dans le temps. Et la meilleure façon de pérenniser ces gènes dans le temps, c'est d'avoir plusieurs gènes aussi. Donc, plus il y a de gènes, plus la pérennité de l'espèce est assurée, plus le mâle a la chance d'augmenter son succès reproducteur, c'est-à-dire qu'assurer sa pérennité. C'est un peu dans la sélection naturelle de Darwin. Il est non territorial, donc ici, les papus amadrias n'est pas territorial. Les papus amadrias ne défend pas les territoires. Les papus amadrias se reproduit. Cela veut dire quoi? C'est une espèce qui ne met pas sa vie à danger, parce que rappelez-vous, lorsqu'on défend un territoire, il y a des coûts et des bénéfices. Alors, une espèce non territoriale, c'est une espèce qui ne met pas souvent sa vie à danger. C'est une espèce qui ne met pas sa vie à danger parce qu'elle est non territoriale. Donc, il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas d'espace limité. Parce que ce qui crée des problèmes entre les espèces, c'est que lorsqu'on se dispute les territoires pour se nourrir, comme les lions est territorial, c'est ça. Quand on le chasse un vieux de son territoire, là, ça devient un problème. Mais si le papus amadrias n'est pas territorial. Alors, on observe les dimorphismes sexuels, le mâle est plus grand que la femelle. Voilà, ça, c'est, vous allez voir ça. Alors, vous avez aussi comme exemple le babouin. Vous aurez aussi l'exemple des babouins cynocéphales, qui est matrilénaire. Donc, les babouins, pourquoi matrilénaire? Parce que ici, chez les babouins, comme dans son système de reproduction, pour assurer, augmenter son succès reproducteur, le futur roi proviendra, n'est-ce pas, du petit qui sera beaucoup plus privilégié par la femelle. Donc, vous voyez que parmi les gènes, la femelle choisit, je ne sais pas, qu'est-ce qui module ses choix, un gène qui sera favorisé par rapport aux autres. Donc, chaque femelle favorise, par exemple, nous sommes dans une bande, chaque femelle favorise un gène. Les femelles se battent pour favoriser leur gène. Et les gènes favorisés ont beaucoup plus de chances de devenir le roi, de devenir occuper donc le sommet de leur troupe. C'est quand on dit que les papios cynophalus, les papios cynophalus, qu'on dit que sont matrilinéaires, c'est-à-dire que ce sont les femelles qui déterminent les rois, qui déterminent l'individu dominant du groupe, sont déterminés par les efforts que les femelles fournissent pour favoriser certains gènes. Les femelles ne sont pas apparentées. C'est normal parce que vous avez plusieurs femelles qui ne sont pas apparentées, mais chaque femelle essaie de favoriser ses gènes. Et la femelle qui fournit ça beaucoup plus d'efforts, c'est cette femelle-là. C'est-à-dire que lorsqu'on dit favoriser, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a des femelles, des gènes qui sont très bien nourris que les autres. Lorsqu'il y a de la nourriture, les femelles se battent pour de la nourriture et lorsqu'on prend cette nourriture, ça signifie que la femelle qui est un peu plus forte que les autres va beaucoup plus nourrir ces gènes que les autres femelles. Et les gènes qui sont très bien nourris auront beaucoup plus de force, d'énergie pour dominer plus tard. C'est ça que ça signifie. C'est ce qu'on voit même dans nos pays aussi. Vous voyez, des gens, par exemple, qui font la politique, parfois, ils ont tendance à envoyer leurs enfants à étudier dans de bonnes conditions en Occident. Ils étudient ailleurs dans de bonnes conditions. Et ça dit que lorsqu'on considère son pays comme le pépinière où on peut piller la richesse, et vous, vous faites que marcher, chanter pour les politiciens, en même temps que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont dans l'opposition, qui disent peuple, peuple, mais leurs enfants sont à l'étranger, dans de très bonnes conditions,
Et ils préparent l'avenir, parce que ce sont ces enfants-là qui vont encore revenir pour vous coloniser comme leurs parents, parce que vous allez voir tous ceux qui sont au pouvoir, la plupart d'entre eux, leurs papas, ils étaient au pouvoir aussi. Ce sont des enfants dont les papas, le Félix Tshisekedi, que j'apprécie, Kabila, il y a Denis Sessanga, c'est l'enfant d'un grand politicien. Claude Lubaya, politicien, tous ces gens, la plupart, Kibasa, la plupart de tous ces gens que vous voyez en politique, leurs parents ont fait de la politique. Et mais, parce que eux, ils ont passé un bon moment pendant que vous étiez en train de marcher ci, de suivre au bout tout, de marcher des fruits, parfois affamés, mais eux, ils préparaient leurs enfants pour que. Donc, c'est pour lui que même dans les années à venir, si. Les choses continuent comme ça. Si sur place, vous qui êtes dans ces conditions-là, si vous ne vous battez pas, pour fournir un peu d'effort, de comprendre, l'idée de vous battre sur place, si vous ne faites pas ça, vos enfants seront aussi colonisés toujours par les autres. C'est comme ça, c'est ça la vie. Vous voyez que ça, c'est le modèle de babouin cynocéphale. Babouin cynocéphale. Donc, si vous ne vous battez pas, aujourd'hui, parce que eux, ils ont envoyé. Il y a une certaine. Il n'y a pas équitabilité. Il n'y a pas équité, je voulais dire. Parce que vous êtes nés ensemble, mais il y a d'autres enfants qui étudient dans de bonnes conditions. D'autres enfants, pendant que vous êtes là, peut-être il y a grève, vous êtes en train de marcher pour des grèves, il y a ceci, bon. Mais il y a d'autres qui sont ailleurs en train d'étudier, mais lorsque vous allez tous se voler, quand vous allez, c'est là qui étudie dans de bonnes conditions, et vous autres, si vous ne faites pas des efforts, ils vont venir, ils seront bien formés que vous et ils vont vous donner. C'est ça le principe de la vie. Vous voyez, chez les animaux, ça existe. Et c'est pour les femelles non apparentées. Effectivement, c'est la même chose dans la société pour le primate humain. C'est la même chose. Nous avons les singes hurleurs des forêts d'Amérique centrale, qui forment des groupes composés de plusieurs mâles et femelles. Ils sont territoriaux et les mâles émettent des hurlements très forts pour signaler leur territoire. Donc ici, ça c'est leur façon de limiter, de délimiter leur territoire. Donc lorsqu'ils commencent à hurler, le singe hurleur, lorsqu'ils commencent à hurler, c'est pour dire que attention, ne vous approchez pas, ce territoire m'appartient. Et c'est un langage, un code, les autres ne peuvent pas s'approcher. Donc il n'y a pas de rapport de dominance au sein de ces groupes. Donc, pas de dominance, subordination. Il n'y en a pas. Ça, ce sont des petites questions que je peux vous poser. Je peux vous poser des questions de me trouver des cas similaires chez les humains. Je peux vous poser la question, est-ce que pour qu'une société fonctionne, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait dominance et subordination? Est-ce qu'il n'y a pas de. Est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument dominance, subordination pour que la société fonctionne? Pour que nous ayons une société structurée. Est-ce qu'il y a, il faut absolument la dominance sur. Il faut que les autres dominent les autres. Est-ce que c'est forcément ça? Ce sont des questions que je pose comme ça. Alors, chapitre 3, on va voir chapitre 3. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que je vais voir d'abord où sont les autres? Ah, je vois, il y a quand même. Est-ce que jusque-là, ça va? Ah, vous êtes. Francis, vous êtes. Attends, je vais. Francis, vous êtes seul dans l'auditoire, hein? Francis Mubigalo, vous êtes seul dans l'auditoire? Vous êtes seul, hein? C'est moi les CP. Ah. Ah, oui, mais je vois, il y a quand même beaucoup de gens sont connectés, mais ils sont chez eux. Bon. N'y a pas de problème. Les autres sont sur Zoom. Non, ce n'est pas grave, c'est bien. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de se déplacer pendant que Alors, si. pour ça, je vais une petite récapitulation parce que ici, il y avait une perturbation.
Oui, donc pour le chapitre 2, il n'y a pas de problème. Donc je disais que voilà ce qu'on peut retenir pour le chapitre 2. Vous retenez que nous avons le système de reproduction. Dans le système de reproduction, nous avons premièrement la caste, une société. On a vu chez les abeilles, les invertébrés. Pour le cas des invertébrés, nous avons vu la société des abeilles, leur caste s'appelle ruche. Nous avons vu les termites. Leur caste, c'est termitière. On a vu, pour le cas de vertébrés, nous avons vu la société des lions. Nous avons vu les primates non humains. On nous donne chaque fois la composition de leur caste. On nous dit ces espèces sont territoriales ou non. Dans chaque système, on nous parle de leur type d'organisation, c'est-à-dire que dans l'organisation, on avait vu qu'il y avait deux types d'organisation. Il y avait la hiérarchie sociale et puis il y avait la territorialité. Chaque fois, on dit espèce territoriale ou non. On nous parle dominance ou non. Mais dans tout ça, qui est territorialité, qui est défense ou hiérarchie, l'objectif ultime de choix du système de reproduction, qui peut être la monogamie, la polygamie, la polyandrie, tout c'est ça, donc la vie sexuelle, le choix c'est quoi chez les animaux? C'est le succès reproducteur. Le succès reproducteur. Donc chaque société choisit un système de reproduction qui se résume par les succès reproducteurs, la pérennité de l'espèce. Ici, le mâle, par exemple, lorsque le mâle est polygame, lorsque le mâle est monogame, l'objectif du mâle est de s'assurer de la pérennité de ses gènes. Vous savez que dans le spermatozoïde, il y a des gènes. Cela est évident. Plus on a de gènes, des enfants, plus on assure la pérennité de ces gènes, l'ADN, qui est le support des formations génétiques. Moins on a des enfants, moins le risque de perdre le gène ou le matériel génétique est trop élevé. Donc, c'est ça qu'on veut dire dans ces deuxièmes chapitres. Donc, c'est-à-dire que vous avez système de reproduction, succès reproducteur. Donc, maintenant, autour de ce succès reproducteur, nous avons la hiérarchie, l'organisation de la société. L'organisation de la société a un impact sur le succès reproducteur. Rappelez-vous, rétroaction, quand je vous ai parlé. En résumé, lorsque je parlais de la territorialité, je disais que l'effort, n'est-ce pas, de défense peut influencer la dynamique des populations. L'effort de défense peut influencer la dynamique d'une population. C'est-à-dire que tout ça, autour du succès reproducteur, nous avons des facteurs qui peuvent agir sur le succès reproducteur, notamment. Parmi les facteurs qui peuvent modifier, qui peuvent influencer les sociétés reproductaires, nous avons la territorialité. C'est pour cela, chaque fois quand nous parlons d'une société, d'une caste, on parle souvent territorial ou pas. Nous avons aussi la hiérarchie sociale. La hiérarchie sociale, on dit que la hiérarchie sociale peut aussi avoir de l'impact sur, n'est-ce pas, le système de le succès reproducteur. Donc, dominance, subordination, ça peut se jouer pour le cas des papillomadrias. Nous avons dit que si il y a des espèces qui sont matrilinéaires, pour que un gène devienne roi, dominant dans la société, ça dépend de l'effort qui sera fourni par sa mère. C'est ce que nous avons dit. Donc, système reproducteur, pourquoi le système reproducteur? C'est pour augmenter les choix. Le système reproducteur, c'est pour augmenter le succès reproducteur. Ce qui est différent de la société émotive, la société émotionnelle, la société humaine.
chez les humains, la polygamie, la monogamie ne dépend pas souvent du succès reproducteur. Les chrétiens vont dire que non, nous ne voulons pas la polygamie parce que nous sommes des chrétiens. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas bien préparé pour devenir riche, qui devient polygame, c'est la folie. Donc, il y a les émotions d'un côté, mais pour le cas des sociétés, des animaux composés comme des bêtes, c'est souvent un problème qui est lié donc au succès reproducteur. C'est clair? Alors, le chapitre 3, je ne vais pas trop faire de manipulation, annotation. Ça serait bien de vous. Bon, je ne vais pas. Ça, je ne sais pas, ça vient de vous. Bien. Alors, chapitre 3. Ici, vivre en groupe. Et je vais vous donner ici, c'est dans ce chapitre 3, je vais vous envoyer un lien et je crois que vous allez trouver ça dans les notes. Vous allez essayer de cliquer sur ce lien. Vous allez voir l'homélie du cardinal Mosengo, paix à son âme, dans son homélie, où il démontre l'importance. Il a, dans son homélie de 2000, c'était le 25 décembre 2017, il avait démontré, insisté sur l'importance de vivre en groupe. Et dans son insistance, il a beaucoup plus évoqué, montré comment est-ce que la vie en groupe chez les animaux que nous considérons bêtes leur procure beaucoup plus d'avantages. Et il voulait ramener aussi les humains, les Congolais, à beaucoup plus penser à vivre en groupe qu'à travailler en solo. Travailler en solo. Il voulait ramener les Congolais à s'unir davantage, à travailler en groupe, à s'unir, comme on dit, l'union fait la force, que développer le travail en solo. Ça, c'est dans l'homélie du cardinal Mosengo. Je vais vous envoyer le site. C'était dans sa messe du 25 décembre 2017. Alors, ici, la question qu'on peut se poser, quelles sont les causes proximales ou ultimes qui poussent certains animaux à vivre en groupe et qui en déterminent la taille ou le nombre d'individus? Ça, c'est la première question que, à la fin de cette question, une question que j'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Donc, il faudra que vous soyez à mesure de répondre à cette question. Donc, quelles sont les causes proximales ou ultimes qui poussent certains animaux à vivre en groupe? Pourquoi certains animaux vivent toujours en groupe? Pourquoi? Pourquoi vivre en groupe? Et lorsque vous avez un groupe, quel est le facteur qui détermine la taille ou le nombre d'individus qui forment ces groupes-là? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Quels avantages et désavantages procure la vie en groupe? Y a-t-il une taille de groupe optimale pour une espèce donnée? Ça, ce sont, nous allons essayer de réfléchir sur ça, mes chers amis. Y a-t-il une taille de groupe optimale pour une espèce donnée? Alors, la comparaison des comportements entre différentes espèces a suggéré que le principal contrainte environnementale qui agissent sur la taille des groupes sont la nourriture et la prédation. Donc, c'est la nourriture et la prédation.
manger et ne pas se faire manger. Donc, lorsqu'il y a un groupe qui se forme, ça, c'est le principe, ce sont là les principales contraintes environnementales qui sont à la base de la formation des groupes. C'est-à-dire que lorsque vous avez, il y a des groupes, on regarde, lorsque les animaux vivent en groupe, il y a les contraintes environnementales qui agissent sur cette taille de groupe. Et les contraintes sont deux, la nourriture et la prédation. C'est-à-dire, on forme un groupe pour manger, on forme un groupe pour ne pas se faire manger. Regardez un peu dans la jungle quand les lions, par exemple, poursuivent les antilopes. Voilà ce qui se passe. Donc, manger et ne pas se faire manger. Nous allons voir ça. Vous allez comprendre ça. Donc, il faut manger et ne pas se faire manger. Ça, c'est très important. Et cette contrainte ici, environnementale, ça nous rappelle ce qu'on a vu dans le principe de la territorialité avec la bergonette pie. Lorsqu'on invite un individu satellite qui vient s'associer dans l'exploitation d'un territoire, on invite l'autre pour réduire le temps, n'est-ce pas, de vigilance, pour réduire le temps de sécurité. Parce que lorsqu'on mange, on exploite un territoire, on doit faire attention parce que pendant qu'on exploite, on peut également être détruit par le prédateur. Alors, nous avons vu qu'il y a les animaux qui s'arrangent à accepter l'aide d'un individu satellite qui vont se partager les territoires. Par exemple, le cas de l'antilope avec l'autruche se mettent souvent ensemble. L'antilope et l'autruche peuvent cohabiter ensemble. Mais en même temps, l'autruche, avec son cou, sécurise l'antilope et ils exploitent en même milieu. On a vu plusieurs cas. Je vais vous montrer la photo et là aussi, vous allez voir ça plus loin. Donc, manger, exploiter les ressources du milieu tout en évitant de se faire manger. Donc, ce sont là deux contraintes qui résument même, n'est-ce pas, la taille des groupes que nous allons voir plus loin. Alors, caractéristiques des groupes sociaux. Les groupes, chaque groupe est caractérisé par une taille bien déterminée. Donc, vous avez la taille, parce que la taille varie d'un groupe à l'autre. Nous avons la cohésion. On ne peut pas voir un groupe sans cohésion. La cohésion, c'est que vous, à Kinshasa, vous dites même morale. Hein? J'ai entendu cette expression. On me dit, une fois, je me dis, j'étais là, quand j'étais à Kinshasa, je crois que j'étais avec les gens, ils disent même morale. Alors, j'ai dit, même morale, comment ça, même morale? Alors, quand j'ai demandé, ils ont dit, quand ils disent même morale, surtout les policiers disent ça, même morale. Même morale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se contenir. Mais c'est une expression, quand vous êtes là avec les gens, ils vous disent, et ils se regardent, ils se disent, même morale, vous êtes seul, il faut faire attention. C'est la cohésion, c'est-à-dire qu'ils sont là prêts à vous faire quelque chose parce qu'ils sont déjà même morale, la cohésion. Donc, le groupe, dans un groupe, le groupe est caractérisé par la taille. Et puis, il y a la cohésion. Un groupe doit être structuré dans la structuration du groupe. La cohésion du groupe doit être assurée. Dans un groupe, la cohésion du groupe doit être assurée. Donc, lorsque vous avez un groupe de travail, travaille à l'université.
lorsque vous vivez en groupe, il faut que la cohésion du groupe soit vraiment assurée. La structuration du groupe avec un réseau de connectivité élevé qui détermine la hiérarchie et divers types de contacts entre les individus. Donc, normalement, quand vous avez un groupe, il faut absolument que vous ayez un représentant. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Dans un groupe, tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas être chef. Parce que si tout le monde est chef, les choses ne peuvent pas marcher. Il faut qu'il y ait une hiérarchie dans un groupe. Donc, caractéristiques des groupes, nous avons la taille. Un groupe peut comporter de quelques individus à plusieurs millions selon les espèces. La cohésion est très, très, très importante dans un groupe. Et un groupe doit être structuré. Lorsqu'on parle d'un groupe structuré, il faut qu'il y ait une hiérarchie dans le groupe. Il faut qu'il y ait une spécialisation des tâches, partage des tâches. On sait qui fait quoi dans le groupe. Donc, c'est-à-dire que la responsabilité doit être clairement définie dans un groupe. La responsabilité doit être clairement définie dans un groupe. Et si cette responsabilité est clairement définie, et ça vous éviterait alors des querelles inutiles, des débats, des conflits. Parce que lorsque vous n'avez pas défini la responsabilité, c'est aussi une source de conflit, parce qu'à ce moment-là, vous allez tourner en rond, vous allez commencer à discuter. Au lieu de passer le temps à produire, vous allez passer votre temps à vous disputer sur le futilité. C'est le cas que vous avez actuellement avec des groupes WhatsApp, les gens qui font des groupes, les gens qui se réveillent, nous voulons faire notre groupe WhatsApp de L1 et L2 biologie. Nous voulons faire le groupe WhatsApp des scientifiques. Nous allons faire le groupe. Mais si vous n'avez pas un administrateur, si vous n'avez pas défini, vous n'avez pas défini qui est l'administrateur, si vous n'avez pas défini les sujets que vous devez aborder, si vous n'avez pas suivi les modérateurs, et c'est comme ça que vous allez voir que dans la plupart des cas, les groupes de WhatsApp, les groupes beaucoup de groupes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont des groupes qui font perdre le temps inutilement, ce sont des groupes improductifs. Parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de hiérarchie. Ce sont des groupes improductifs. Donc voilà, ça c'est caractéristique du groupe. L'autre caractéristique, c'est la perméabilité du groupe. Donc il faut que un groupe doit être perméable. Comme une cellule est perméable, c'est un système ouvert. Comme une société est un système ouvert, le groupe doit aussi être perméable. La perméabilité du groupe est très variable. Alors, certaines sociétés sont ouvertes, ce qui facilite le flux génétique, le cas des chimpanzés. D'autres sont fermées et n'arrêtent pas les insectes sociaux. Donc, il y a des sociétés qui sont ouvertes. Les cas, par exemple, chez les humains, par exemple, nous, le Congolais, avec nos voisins, nous sommes dans l'obligation d'être un système ouvert. On ne peut pas vivre seul. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est une obligation de vivre en harmonie avec ses voisins. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes comme un groupe et nous sommes dans l'obligation de vivre en harmonie. Alors, dans un groupe, et ça c'est très important, dans un groupe, je l'ai dit, il faut qu'il y ait une répartition des tâches. La répartition des tâches. Qui fait quoi? Il faut qu'il y ait la répartition des tâches. La répartition des tâches doit s'observer. Entre les membres du groupe, particulièrement, chez les insectes, il y en a. Vous voyez, c'est un modèle. Regardez comment les insectes se répartissent des tâches. Je vais vous envoyer des vidéos. Les insectes, par exemple, se répartissent des tâches. Il faut qu'il y ait répartition des tâches.
qui fait quoi dans le groupe? Lorsqu'il y a répartition de tâches, c'est comme une usine de production. Lorsque les tâches sont bien réparties, ça vous éviterait des conflits, des discussions, la perte de temps inutile avec des débats inutiles. Alors, quels avantages et désavantages procurent le groupe? Alors, la vie en groupe, ça procure quoi? Pourquoi la vie en groupe? Les avantages de vivre en groupe. Premièrement, la vie en groupe accroît la vigilance. Lorsque vous vivez en groupe, chez les animaux par exemple, vivre en groupe contribue à l'accroissement de la vigilance. C'est pour cela que je disais, lorsqu'on invite un individu satellite, un seul animal qui exploite un territoire, la probabilité, n'est-ce pas, pour que cet animal-là soit capturé par un prédateur quand il est seul est de 100%. Lorsque vous avez un animal, par exemple, mon ami Francis Mubigano, il est seul dans le butoir, n'est-ce pas? Vous m'écoutez, Francis? N'est-ce pas, Francis? Voilà. Supposons qu'on veut un militaire entre dedans. Et le militaire entre dedans. Il veut arrêter un étudiant de deuxième licence biologique. Et puisque vous êtes seul dans le butoir, la probabilité pour qu'on vous arrête est de 100%. Parce que vous êtes seul. On a besoin seulement d'arrêter un étudiant. La probabilité pour qu'on puisse vous avoir tel que vous étiez là est de 100%. Mais par contre, si vous êtes deux dans le butoir, la probabilité pour qu'on prenne, parce qu'on a besoin d'un étudiant, la probabilité pour qu'on vous arrête est de combien? De 50%. 50% de chances pour qu'on vous arrête. Parce qu'on a besoin d'un étudiant au hasard. Alors, si vous êtes à 3, la probabilité pour qu'on vous arrête diminue davantage. Donc, plus le nombre augmente, plus la probabilité, n'est-ce pas, d'être repéré, d'être pris, diminue. Donc, plus le nombre, vous voyez, ça, c'est déjà un avantage qu'offrent les groupes chez les animaux. C'est un avantage chez les animaux. Donc, plus le nombre de proies augmente, plus la probabilité d'être capturé par un prédateur diminue. Ça diminue. Et ici, on parle de l'accroissement de la vigilance. Ça diminue pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'accroissement de la vigilance. Parce qu'il y a maintenant beaucoup, n'est-ce pas? Donc, il y a l'accroissement de la vigilance. Le temps qu'un prédateur, le temps qu'une proie passe pendant qu'elle mange, surfe à l'horizon pour surveiller un prédateur. Lorsque vous avez deux prédateurs, deux proies, le temps est divisé par deux. Lorsque vous avez trois proies, le temps est divisé par 3. 10, le temps est divisé par 10. Donc, cela contribue à l'accroissement de la vigilance. En même temps, il y a la vigilance, on surfe à l'horizon. En même temps, on surfe à l'horizon et aussi, on mange, on se nourrit
tout à ces protéines. Donc, premier avantage, c'est l'accroissement de la vigilance. Alors, deuxième avantage, voilà, ça c'est un exemple qu'on vous montre ici. Ça, c'est ce que je venais de dire. Voici un exemple qui illustre bien les problèmes de l'accroissement de la vigilance. Relation entre le pourcentage de succès de chasse. Relation entre le succès de chasse relation entre le pourcentage de succès de chasse de l'aigle, voilà, succès de chasse de l'aigle en ordonnée, ça c'est l'ordonnée, nous sommes en ordonnée, ça c'est l'ordonnée, ça c'est l'abscisse, en abscisse, la taille de groupe des pigeons. Alors, regardez ici, ça c'est la taille. Un pigeon, la probabilité pour qu'un pigeon soit capturé, le pigeon c'est la proie de l'aigle. Avec un pigeon, 10, 50, 80. Avec un pigeon, la probabilité de capturer est plus élevée, au-delà même de 80. 10, ça diminue, 50, 80 et jusqu'à la fin, ça diminue. Parce que vous avez l'aigle qui doit capturer. C'est ce que j'ai l'exemple que je vous ai donné. C'est l'exemple que je venais de donner. La probabilité pour qu'il soit capturé est donc diminuée avec les nombres. Quand les nombres de proies diminuent, quand la taille des groupes diminue, la probabilité d'être capturé augmente. Quand la taille de groupe augmente, la probabilité d'être capturé aussi diminue. Et là, on parle donc de le fait de dilution du groupe. Le fait de dilution du groupe, c'est le fait qu'il y a tellement beaucoup de proies que finalement, le prédateur a du mal à repérer la proie. On appelle ça le fait de dilution du groupe. Donc, le prédateur n'arrive pas à capturer sa proie par dilution, par confusion. C'est le fait de dilution. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si dans un groupe, il y a un individu tricheur, c'est-à-dire qui ne se préoccupe pas de sa propre sécurité et qui laisse les autres faire pour lui ce travail. Ça ne change rien. Dans chaque groupe, il y a toujours le malveillant. Il y en a toujours, mais l'impact n'est pas vraiment très significatif. Ces malveillants peuvent jouir de la sécurité des autres. C'est comme ça. Alors, deuxième avantage du groupe, il y a, c'est ce que je disais, effet de dilution de couverture. Le fait de dilution, par le fait que le plus le nombre, la taille du groupe est grand, ça crée la dilution, ça crée la confusion chez le prédateur. On appelle ça le fait de dilution. Alors, cette confusion, cette dilution qui fait que finalement, les nombres augmentés, les prédateurs ne savent pas qui attraper, on appelle ça l'effet de couverture. C'est-à-dire qu'il y a une couverture qui se crée autour, une couverture qui se crée à cause de cette dilution, une couverture qui se crée à cause de cette taille qui est trop grande, la dilution, confusion, couverture, sécurité. Cette couverture, c'est la sécurité qui se crée autour d'un groupe. Ça, c'est l'avantage que les groupes procurent. Pourquoi certaines espèces vivent en groupe? C'est à cause de cela. Donc, à cause du fait, donc, il y a d'abord l'accroissement de la vigilance. Lorsqu'on est en groupe, un seul individu qui se nourrit va mettre beaucoup plus de temps de surfer à l'horizon pour se protéger contre les prédateurs. Mais deux, le temps de la vigilance est réduit
est réduit de moitié. Maintenant, nous avons, lorsque le nombre, la taille du groupe augmente, les prédateurs ont du mal à capturer une proie à cause des faits de dilution, qu'on appelle la confusion qui va se créer. Dilution, comme je disais, que le nombre augmente, on ne sait pas qui, il est temps de réfléchir, qui arrêter, c'est la dilution et la couverture, parce que cette dilution, cette confusion crée la couverture, protège tous les membres au final. L'exemple que je vais te donner en classe, 1 sur 100 est là. Donc, par exemple, une antilope dans un troupeau de 100 individus aura 1 sur 100 ou 100 la probabilité d'être capturé lors d'une attaque. C'est ça. Voilà, ça c'est, comme je disais, le feu de couverture ici. Ça c'est le cas, par exemple, de l'Autriche, l'antilope avec l'Autriche, qui vont manger ensemble, qui vont se partager la niche alimentaire, qui consomment. C'est comme, supposons que ça c'est le milieu de l'antilope, ça c'est l'individu satellite qui est évité. Avec son coup, l'Autriche a la facilité de repérer le plus vite possible les prédateurs de loin que l'antilope. Donc l'Autriche a la capacité de voir le prédateur plus loin que l'antilope. Donc l'antilope a l'avantage aussi de laisser l'Autriche à son côté sans qu'il y ait bagarre, ça qui est dispute des territoires, tout ce monde dans le même territoire. Ça peut être le territoire, n'est-ce pas, de l'antilope, mais l'antilope a intérêt à laisser l'autruche manger parce qu'il y a un avantage. Les intérêts sont partagés, l'autruche se nourrit dans ces territoires, il y a de la nourriture pour l'autruche et l'antilope aussi laisse faire parce que l'Autriche apporte de la sécurité par son coup. L'Autriche est capable de voir de plus loin son prédateur. Donc ça, c'est une sorte de territorialité qui se rapproche de la bergonette, puis qui invite, n'est-ce pas, les individus satellites. Et ici, déjà, avec l'Autriche, il y a le fait de couverture, protection par le fait que l'Autriche peut voir un peu plus loin. Alors ça, c'est un schéma qui dit la même chose, qui explique les effets de la dilution. Nous avons la taille des proies, des insectes, attaque par individu par seconde. La taille, donc, effet de la dilution montrant les taux de capture des insectes aquatiques par les petits poissons. Regardez ici, c'est la même chose, tout ce que je viens de dire. Plus la taille des proies augmente, les attaques ou les succès de capture aussi diminuent. Donc, vous avez la taille des proies, donc le succès diminue. Ça diminue. Quand la taille augmente, les succès de chasse des poissons diminuent. Ça diminue. Pourquoi ça diminue? À cause de l'effet de dilution et de couverture. C'est ça. C'est la même chose. C'est tout ce que je viens d'expliquer, c'est ça. À cause de l'effet de dilution et aussi de couverture. Donc, cet exemple illustre le fait que la vie en groupe apparaît comme un mécanisme qui assure la couverture des individus. C'est pour cela que dans beaucoup de pays, les gens travaillent en groupe. Vous allez voir l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs, vous allez voir l'ordre des biologistes. C'est comme ça que j'ai proposé dans le groupe WhatsApp de l'ancien de biologie,
j'avais demandé aux amis que de penser à faire l'ordre des biologistes, parce que si on fait l'ordre des biologistes, ça nous permettra au moins de dire aux gens ce qu'est un biologiste. Parce que les gens ont l'idée, les gens croient que les biologistes ont pour mission seulement la cellule, l'étude. Lorsqu'on parle de la biologie, on voit la cellule, on voit la sexualité, mais pourtant, la biologie, c'est vraiment une science très complexe. La biologie est une science très complexe. Très, très complexe. La biologie est une science très complexe. Mais lorsqu'on parle de la biologie, on a l'impression que, bon, la biologie, c'est juste étudier la sexualité, étudier quelques bactéries. Non, la biologie est très complexe. Donc ici, à cause de la couverture des individus, le travail en groupe est très important. Même vous, quand vous avez fini vos études, vous pouvez aussi vous réunir, vous dites, voilà, nous, on va se réunir pour qu'on puisse travailler en groupe. Surtout, moi, je vous proposerai un jour que vous puissiez penser à faire l'ordre des biologistes. Vous définissez ce que vous devez faire. À ce moment-là, vous allez vous vendre. À ce moment-là, vous allez vous faire connaître aux yeux de tout le monde. Les gens sauront qu'est-ce qu'un biologiste peut rendre comme service à la société. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, ici, l'objectif de ce cours, c'est de booster les leaderships. Mais pour cela, on ne peut pas travailler en solo ou en vase clos. Il faut travailler avec l'autre. Il faut penser à travailler toujours en groupe. C'est comme on dit, l'union fait la force. Donc, cet exemple illustre, comme je disais, le fait que la vie en groupe apparaît comme un mécanisme qui assure la couverture des individus. Mutuelle de santé, par exemple. Vous avez votre mutuelle de santé. Vous avez l'association... Comme notre association, par exemple, APUPIL, Association pour cette justice qui fait ça. Nous avons ces associations, les syndicats, les groupes. Vous voyez, nous, on tend toujours à former des groupes, à se réunir. Et lorsqu'on s'unit, ça c'est très important, je vais ajouter, lorsqu'on forme là, ces groupes-là, il faut que les groupes soient structurés. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Tout ce que nous venons de voir, on forme le groupe. Mais les caractéristiques des groupes, la hiérarchie, le partage des tâches, il faut que le respect même, la distance critique individuelle, ça doit exister dans les groupes pour qu'il y ait harmonie et pour qu'il y ait l'ordre. C'est ça donc. Alors, les prédateurs en souffrent par la confusion lors de l'attaque d'un groupe. Lorsque vous avez un groupe, prenons le cas d'une association humaine, d'une société humaine, lorsque vous avez un groupe, qui sont les prédateurs? Les prédateurs, ce sont ceux-là qui viennent vous diviser. Mais lorsque le groupe respecte tout ce que nous venons de voir, la répartition, chacun dans le groupe sait ce qu'il doit faire. Vous avez une association, un groupe de biologistes, que je vois à la faculté qu'on appelle biogénèse, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache mais qui fait quoi. Et les tâches doivent être clairement définies. Et j'insiste aussi sur le respect du texte. Le texte, parce que c'est ça les grands problèmes que nous avons dans la société congolaise, dans notre pays, en Afrique d'une façon générale. Le respect du texte. Lorsque vous ne respectez pas le texte, vous sortez dans la zone du confort. Vous sortez dans la zone du respect. Les non-respects de texte dans un groupe, dans une association, réduit votre distance critique individuelle. Lorsque la distance critique individuelle est réduite, tout le monde peut vous attaquer. Tout le monde peut vous manquer du respect. Et par conséquent, on ne peut pas s'attendre à l'ordre et harmonie dans un groupe, dans une société, si il n'y a pas de distance critique individuelle. S'il n'y a pas respect. Aujourd'hui, pourquoi en RDC nous avons tout le temps des problèmes? Parce que notre constitution est tout le temps violée. C'est un texte. Un texte qui ne devait pas être violé. Les choses parfois ne marchent pas trop bien. C'est parce que le texte est tout le temps violé. Tout le temps violé. Et lorsque le texte est violé,
nous sortons dans les zones du confort. On sort dans les zones du confort, on sort dans les zones du respect. Et ce qui fait que, finalement, le pays, tout le monde peut faire tout. Vous voyez, on assiste à des procès, on arrête quelqu'un aujourd'hui, il est condamné à perpétuité, on arrête quelqu'un, on est condamné pour 25 ans, demain, la personne sort, je suis malade, je ne me sens pas bien en prison, je dois partir. Vous voyez, on prend quelqu'un, demain vous attendez, la personne vient sortir. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le texte, on ne respecte pas le principe, le principe. Le groupe doit fonctionner avec le principe. Le principe. Les raisons pour lesquelles je vous ai dit, avant qu'on commence notre cours, je vous ai donné, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple qui illustre le mieux ce que je vous dis. Nous formons un groupe de travail. Nous sommes en train de travailler ensemble. Moi, je suis votre professeur. Nous travaillons ensemble. Je vous ai donné avant mon cours le plan de cours et j'ai demandé au chef de promo de signer ce plan de cours et de le remettre au secrétariat du département de biologie. C'est un document, c'est un contrat. On ne peut pas fonctionner sans texte. D'ailleurs, le chef de promo m'a posé la question, professeur, dans le plan de cours, vous avez dit que vous allez nous donner le syllabus gratuitement. C'est-à-dire que c'est un texte. Vous me renvoyez dans le texte pour qu'il y ait l'ordre. Et moi, je suis dans l'obligation de respecter le texte pour que je sois dans ma zone de confort. Je dois rester dans ma zone de confort tout en respectant le texte. Donc, si je ne respecte pas le texte que moi, je vous ai donné, je sors de ma zone de confort. Je sors dans ma zone de respect, j'ai réduit mon espace critique individuel. Et c'est ça qui est à la base du désordre. Parce que moi, je vous dis que c'est gratuit et c'est écrit même, noir sur blanc. Donc, je suis obligé de respecter scrupuleusement le texte. Et c'est comme ça que le groupe fonctionne. C'est comme ça que nous pouvons créer la confusion. Si nous extrapolons cet exemple chez les humains, c'est comme ça que nous pouvons créer la confusion auprès de ceux qui cherchent à trouver des assises, par exemple, pour me faire du mal, à me faire sortir de la zone de confort pour me détruire. Lorsqu'on respecte le principe, on est dans les bons et il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que vous allez vivre longtemps et vous allez vivre longtemps, non seulement longtemps, mais en ordre et en harmonie dans une société. Mais si vous voulez tripoter avec le texte, c'est à ce moment-là qu'il se crée des problèmes. Lorsqu'on tripote, voyez, lorsqu'on veut tripoter le texte, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans l'enseignement, on dit par exemple que celui-ci, quand il a autant, il a échoué. Moins de 50%, 40%, c'est l'échec. Mais lorsqu'on cherche à tripoter, moi, votre humble serviteur, je tripote le poids. Je prends celui-ci, vous savez qu'il a échoué. Avec 50, avec 40%, moi, je lui donne le point. Vous apprenez que le professeur qui s'en sort a donné le point à l'autre, mais vous avez 55, je vous ai réajouté. Ça, c'est le tripotage. C'est ça qui crée des frustrations. À ce moment-là, le professeur qui s'en sort dans sa zone de confort. Il a réduit, le professeur qui s'en sort a réduit, n'est-ce pas, la distance critique individuelle. Je réduis la distance critique individuelle, je sors dans la zone du respect. Et c'est ça qui crée du désordre. C'est ça qui détruit une société. L'avantage toujours du groupe, la défense du groupe, les espèces proies ne sont pas souvent des victimes passives. Et en vivant en groupe, elles peuvent d'elles-mêmes se défendre contre les prédateurs. Vous avez le cas, par exemple, des bifs. Les bifs, c'est un cérus d'affaires. Le zèbre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le groupe, même si on n'est pas fort, même si on n'est pas sportif, mais par le fait que vous êtes en groupe, vous pouvez vous défendre facilement. C'est pour cela, il est déconseillé, par exemple, même pour nous les humains, de se promener à des heures tardives seuls. C'est déconseillé. Vous êtes une proie isolée et facile à capturer. Déconseillé. Il y a des heures, il y a des endroits où il faut absolument
être en groupe. Être en groupe pour passer. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement au Congo. Parce que nous, on voit toujours le Congo, le mal au Congo. Congo, Mboko et Bébé, Mboko et Bébé. Non. C'est-à-dire que partout, le principe de sécurité, de défense, il y a des endroits où vous n'allez pas prendre les petites voitures catch jaunes là, avec tout ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas prendre cette voiture-là à 1h du matin. À 2h du matin, vous voyez une petite voiture, vous êtes dedans. Mais par contre, si vous êtes à 4 et que le chauffeur est seul, vous pouvez prendre le risque d'entrer parce qu'avec 4, vous allez pouvoir vous défendre. Donc, ça veut dire qu'ici, les espèces proies ne sont pas souvent des victimes passives. Et en vivant en groupe, elles peuvent d'elles-mêmes se défendre contre les prédateurs. Ça, c'était l'avantage de vivre en groupe. Même si on n'est pas fort, mais le fait qu'on est en groupe, c'est déjà un avantage pour se défendre contre les prédateurs. Moi, par exemple, mes enfants, quand ils étaient trop jeunes, je les envoyais toujours, je ne voulais pas que mes enfants se promènent. Quand je veux les envoyer quelque part, non, allez, toujours à deux, trois, il faut toujours être en groupe. Il ne faut pas les séparer. C'est mieux parce que là, on est plus rassuré. Moi, votre humble serviteur, quand je vais rentrer bientôt chez moi, à Kim, c'est rare de me voir me promener seul. Hein. Je me promène toujours avec mes petits. Je suis là tout le temps, je suis accompagné. C'est rare de me voir seul. Donc, si toi, tu m'attends quelque part que non, quand je devrais passer par là, je vais la voir, d'abord, je ne me promène pas dans des heures tardives. Vous ne verrez jamais me promener à des heures tardives. Je suis chez moi. Chez moi, vous savez, je suis au plateau là-bas. Vous ne me verrez jamais me promener à des heures tardives. Et puis, quand je suis toujours, je pars quelque part où je prends un verre, je ne suis pas forcément avec des amis. Moi, je ne prends jamais la bière. Je n'ai pas, ou pas jamais, c'est trop dire, mais vous me verrez rarement à l'université en train de manger ou de boire là-bas et derrière la faculté des polytechniques. Non, ça, je ne le fais pas. Parce que chez moi, c'est non loin, c'est rond-point sentiment là-bas. Donc, je n'ai pas le temps d'aller boire là-bas. Je peux descendre chez moi. Je bois souvent chez moi. Donc, ce sont des principes de sécurité. Le modèle animal, ça me donne une idée pour entrer dans la société que vous attendez voir. C'est très important. Alors, coûts ou désavantages de vivre en groupe. Alors, lorsqu'on vit aussi en groupe, il n'y a pas que les avantages, il y a aussi les désavantages. Premier désavantage de vivre en groupe, il y a aussi le caractère voyant du groupe. On est trop visible. Trop visible quand on est trop en groupe. On est trop visible. Par exemple, un groupe de filles qui sortent chaque fois le matin pour aller vers l'imbatérémisme. On vous voit quelque part. Quand on est seul, on peut passer inaperçu, mais quand on vous voit tout en groupe, il y a aussi, ça attire beaucoup plus d'attention. Il y a le caractère voyant du groupe. Vous savez, nous, quand on était étudiants, à l'époque de Mobutu, et parfois, comment est-ce qu'on contourner, parce que lorsqu'on annonçait déjà que nous allons faire des marches, des revendications, il y avait des gens qu'on appelait les mouchards, donc ce sont des étudiants qui étaient en intelligence avec le service de renseignement au temps de Mobutu. Ils informaient déjà et très tôt matin, les militaires étaient déjà envoyés et puis campés déjà au niveau de l'intendance. Et nous, l'objectif, c'était de marcher, de manifester, de se rendre jusqu'au niveau de rond-point Gaba. On allait chanter et on pouvait aller même plus loin jusqu'au niveau de limiter le stade des martyrs. Maintenant, pour nous empêcher, le militaire informé nous attendait déjà au niveau de l'intendance, de telle sorte que étudiants ne pouvaient pas passer, du moins quand on est en groupe. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour contourner ces désavantages de vivre en groupe, le caractère voyant du groupe? Parce que quand vous descendez en chantant en groupe, les militaires savaient que ce sont les étudiants qui se dirigent vers le rond-point Gaba. On nous dispersait directement.
Alors, chaque étudiant, on partait dispersé. Chacun, il prend son... Avec, on laissait nos phares de nos cartables, on les laisse. Tout bonnement, vous passez, les billets sont là, vous passez tout bonnement, l'un après l'autre. C'est comme ça qu'on faisait. Et ça se passait bien. On allait l'un après l'autre avec les consignes de se raconter quelque part. On s'attend et on arrive au niveau de Rumpongaba, on reforme le groupe et on continue à chanter. Et le militaire surpris, on dit non, mais les étudiants que vous attendez, mais ils sont déjà rompus. Mais comment ils sont passés? Et c'était ça. Donc nous, c'est comme ça qu'on essaie un peu de contourner cet exemple donc, de caractère pur voyant du groupe. Donc la visibilité, le groupe est trop visible. Hein, le groupe est trop visible. Lorsqu'on est en groupe, on est trop visible. Mais lorsqu'on est seul, on peut passer inaperçu. Mais lorsqu'on est en groupe, le groupe est trop visible. C'est ça aussi les avantages. Mais ça, c'est pour les animaux. Mais pour les humains, les groupes, comme je disais, il faut choisir un bon groupe. Lorsque vous avez un groupe, il faut savoir dans quel groupe il faut se retrouver parce que le groupe peut vous élever, le groupe peut aussi vous détruire. Alors, dans un groupe, la possibilité et la probabilité de propagation d'une maladie dû à la proximité des individus sont plus grandes. Ça, c'est aussi un des avantages. Les cas, c'est beaucoup plus pour les animaux. Et dans un groupe, ça, c'est vrai. C'est comme ça qu'on nous demande à cette époque, à ce moment de pandémie, que de ne pas rester en groupe, de s'éloigner. On demande d'avoir, d'établir toujours une distance. Hein, n'est-ce pas, de respecter la distance, n'est-ce pas, physique. Parce que si vous êtes trop proche dans un groupe, vous prenez un groupe, la probabilité d'attraper la maladie est plus élevée. Alors, la vie en groupe accroît aussi les interactions agonistiques entre ses membres. Donc, il y a trop d'interactions. Et dans un groupe, sincèrement, Il y a des interactions agonistiques. Pourquoi? Comme je disais, que lorsqu'on ne sait pas définir qui fait quoi, lorsque les tâches ne sont pas très bien partagées, à ce moment-là, il y a lorsque les objectifs, parce que lorsque vous avez un groupe, il faut que les objectifs soient clairement définis. Mais au moment où les objectifs ne sont pas définis, ça devient très, très compliqué et c'est à ce moment-là qu'il y a souvent des problèmes parce que les objectifs ne sont pas définis. On n'a pas défini les objectifs. Lorsque les objectifs ne sont pas définis, ça se montre qu'il y a des interactions agonistiques entre les membres. Mais il y a moyen d'éviter cela lorsqu'on respecte le texte. Lorsqu'on respecte le texte, lorsqu'on respecte les consignes, lorsqu'on respecte la hiérarchie, à ce moment-là, les interactions agonistiques deviennent faibles. Alors, certains individus peuvent développer le cannibalisme ou le concofillage dans le groupe. Oui, ça, c'est le cas souvent pour le cannibalisme. Ça, ce n'est pas pour les humains. Et ça, c'est souvent pour... quand le nombre augmente, les animaux peuvent se manger aussi. Mais le plus courant chez les humains, c'est le concofillage. Hein? Lorsque la promiscuité, n'est-ce pas, et ces mélanges de gens qui vivent en groupe, ça peut aussi occasionner le conflit. C'est-à-dire que vous avez un conflit, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va chercher la femme de l'autre, l'autre va chercher la femme ici, ces mélanges finalement, et ça devient un peu pas comme la gêne, je n'ai pas trop parlé de ces mots-là, mais c'est une proximité, un mélange de gens qui vont... Ça diminue un peu le respect. En fait, tout ça, c'est lorsque les tâches ne sont pas bien définies, concofillage, lorsque surtout il y a diminution de l'espace critique individuel. Le concofillage dans le groupe résulte de quoi? Du laxisme, de la légèreté. C'est la... Parce que lorsqu'il y a un groupe qui n'est pas structuré, un groupe qui n'a pas d'objectif, pour les cas de la société humaine, un groupe sans objectif, un groupe, un mélange des individus peut-être qui ne sont pas de même niveau, qui n'ont pas la même vision,
un groupe de personnes qui ne se respectent pas, qui sont capables de sortir de leur zone de confort, un groupe caractérisé par le laxisme avec une certaine légèreté où les hommes peuvent dire n'importe quoi aux femmes, les femmes peuvent dire des insanités à des hommes et consorts. C'est à ce moment-là que souvent les confiages dans le groupe commencent. Le laxisme. C'est donc ça, c'est la conséquence du laxisme. Donc chez les humains, c'est souvent ça qu'on voit, c'est le laxisme. Vous êtes dans le jeu de mauvais goût, n'est-ce pas? Les insanités, manque de pudeur dans le groupe. Cette légèreté-là, c'est ça qui occasionne un peu ce désavantage de vivre en groupe. Autre avantage de vivre en groupe associé à la recherche de la nourriture, ça c'est l'avantage encore, de vivre en groupe associé à la nourriture, la recherche des meilleurs sites. Lorsqu'on vit en groupe, je vous donne un exemple concret. Vous savez, nous avons un problème, pourquoi, dans notre pays? Parce que nous croyons que c'est le gouvernement qui doit tout faire. C'est ça l'erreur que nous avons. Ça, on commet une grosse erreur. Dans d'autres pays, ce n'est pas le gouvernement qui construit des maisons sociales. Il y a des gens qu'on voit, qu'on chante à la télévision à la longueur de la journée, et je ne peux pas citer les noms, il a fait tel ceci, il a fait cela, on les chante dans les chambres, les musiciens chantent, et qu'on sort des boss. Mais dans d'autres pays que nous envions, comme les États-Unis, le Canada, la France, les pays occidentaux, ce sont des riches. Le riche s'est dit, bon, il peut prendre 20 hectares. Il construit beaucoup de maisons. Il donne un crédit aux gens. Les gens commencent à payer. Il peut dire, bon, moi, je vais construire des maisons à crédit pour les professeurs de l'université. Je vais retenir 30% de leur salaire. Un riche qui vient et dit ça, ce n'est pas seulement le gouvernement. Ce sont des riches qui construisent parfois des auditoires. Ah, mais il dit, bon, moi, je vais construire à l'université un auditoire, mais vous allez donner à cet auditoire mon nom. Par exemple, l'auditoire Ngwangu. Le nom de cet auditoire, l'auditoire Ngwangu. Papa Ngwangu, qui a son argent, il dit, bon, je vais faire un petit cadeau à l'université. On construit l'auditoire Ngwangu et on donne Ngwangu. Ça, c'est la salle Ngwangu. C'est comme ça que ça fonctionne. Un grand auditoire. C'est-à-dire que les gens travaillent dans les associations, des collectifs. On fait des associations, on se dit, bon, collectif de ceci, des maisons, objectif, par exemple, 2022, construire 5000 maisons en crédit, 5000 maisons. C'est-à-dire que la façon dont on fait, vous savez, dont on réfléchit, notre façon de réfléchir en République démocratique du Congo, ça, je pense, puisque j'enseigne dans ce sujet, je suis en train d'enseigner, je m'adresse aux Congolais, ce n'est pas une bonne façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est pourquoi je dis que le grand problème, c'est la répartition des tâches. Nous sommes dans une société, on doit savoir qui fait quoi. Parce que finalement, lorsqu'on parle de droits et libertés des citoyens, leur responsabilité, le devoir des citoyens, nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce que nous devons. Oui, on doit nous construire des routes. On doit faire ceci. Mais nous, en tant que citoyens, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que nous, on doit? Parce que dans une société, il n'y a pas que les droits, il y a aussi les devoirs. Maintenant, il y a beaucoup plus de droits que de devoirs chez nous en RDC. Beaucoup plus de droits que de devoirs. Vous allez voir, par exemple, dans un quartier, les immondices devant une parcelle, quelqu'un qui laisse les immondices, il sort sa poubelle, il jette devant sa parcelle. Demain, maladie, typhoïde, ah, mbokoyo, mboke baby, mboke baby, maladie, moi, mboko, mboka deni. Mais il croit que c'est le chef de quartier qui doit lever pour lui, les immondices devant sa parcelle. Quelqu'un qui se réveille le matin, il pleut, il ouvre sa toilette, fausse petite, il commence à jeter ça dans la rue. J'ai vu ça dans la rue.
Avec les eaux de pluie, il en profite, il est content que, ah, mais vraiment, ça m'a épargné un peu l'argent. L'eau de pluie, alors ça commence à évacuer. Il y a d'autres qui évacuent surtout le long de la rivière Ngili. Hein? Il n'y a pas de fosse septique, tout est déversé dans la rivière. Et demain, et c'est cette même eau-là qui va aller jusqu'au niveau de pompage, c'est cette même eau que nous buvons. Et demain, on pleure à Maya Rimboko dans la Maya, comme si c'était beau. Mais c'est toi qui as jeté la matière fécale dedans. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans un groupe, dans une société, il faut qu'il y ait répartition des tâches, il faut qu'il y ait définition. C'est pour cela, mes amis. C'est pour cela, mes amis. Vous étiez avec moi en première licence, en troisième graduation. Le principe, respectez les principes, habituez-vous avec le principe. Respectez les principes. Si vous respectez les principes, vous allez vivre heureux. Respectez les principes. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que vous n'aurez moins d'ennui dans la vie. Donc, recherche de meilleurs sites, les groupes, les associations, le collectif. Collectif, par exemple, des assistants qui s'organisent millénaires. Ce sont des bonnes initiatives. Il y a des gens, je me souviens, qui ont conçu des maisons vers les Mitendi là-bas, des belles maisons. Collectif, hein? On retient l'argent un peu là. Il y a beaucoup de gens qui construisent comme ça, le collectif de ceci s'organise. C'est comme ça qu'on peut s'organiser et pour faire de grandes choses. La stratégie adoptée par les membres du groupe peut se traduire par suivre et apprendre. Dans un groupe, comme stratégie adoptée par les membres, suivre, apprendre. Suivre l'individu qui a découvert un bon site de nourriture, dans ces cas, il faut qu'il y ait un leader dans le groupe. Dans un groupe, il faut qu'il y ait un leader. C'est le leadership que je suis en train de booster en vous. Il faut que vous puissiez être rassuré qu'il y a des gens qui vous suivent. Et pour qu'on vous suive, vous devez avoir quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, avec les cours que je vous donne, préparez le cours, vous vous plaignez, faites-vous voir, faites-vous connaître au public. Je l'ai dit chaque fois quand je donne ce cours de sociologie aux étudiants, je l'ai dit, essayez un peu de fournir un effort de vous connaître. Vous avez fini l'université. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas étudié comme vous, les youtubeurs, il y a les gens qui ont plus de 10 000 vues par jour. Mais utilisez un... Battez-vous, cherchez des sujets. Avec 10 dollars, les journalistes sont maintenant nombreux. Il y a beaucoup de journalistes. Beaucoup. Des vrais et de... Faites des émissions, passez à la télévision, cherchez un sujet que vous avez bien maîtrisé en biologie. Essayez de prendre ce sujet-là. Montrer à quoi ce sujet peut être important pour la société congolaise. À quoi ça peut être important. Passer à la télévision, dans des chaînes, parler. Les gens vont vous connaître. Ayez l'habitude de vous vendre. Faites ça régulièrement. On vous voit souvent passer à la télévision. Adoptez une attitude responsable. Parce que quand vous passez à la télévision, par exemple, vous devez éviter, si vous avez l'habitude d'aller boire au Rokwengaba, dans la rue n'importe où, puisque vous êtes devenu un homme public, vous devez éviter d'aller boire n'importe où. On vous voit babouche, aller circuler, vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez une attitude, parce que vous êtes déjà devenu très populaire, vous adoptez une attitude qui pourra vous attirer beaucoup d'avantages. Donc, il faut que vous deveniez un individu que tout le monde doit suivre. Et pour qu'on puisse vous suivre ici, par exemple, vous dites, suivre l'individu qui a découvert un bon site de nourriture. On va vous suivre si vous avez découvert quelque chose. On doit vous suivre si vous détenez quelque chose.
on doit vous suivre si vous détenez une information utile. Et les informations sur la biologie, les informations scientifiques, vous en avez eu assez. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup. Maintenant, les gens ne sauront pas que vous avez des informations. Vous devez parler. Il faut vous faire voir, il faut vous faire connaître. Faites ça. Il y a une demoiselle, madame Falanga, vous la connaissez? Je l'apprécie, vous voyez, vous la connaissez, hein? Voilà, je l'apprécie. Elle, au départ, les gens ont trouvé que bon, c'était un peu du blabla, mais je vois, il y a des gens qui l'ont critiqué, non mais toi avec tes produits-là, tu dois faire ta thèse. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est quand même bien ce qu'elle fait. Elle passe, elle fait les éditions, elle passe à la télévision. Et moi, je l'apprécie. C'est comme ça que les biologistes doivent se comporter. Et il y a les gens qui croient en elle et il y a les gens qui la suivent. Et moi, je suis vraiment très fier d'elle. Et d'ailleurs, je l'encourageais beaucoup. Je l'encourageais beaucoup et je suis vraiment très fier d'elle. Donc, suivre. Quand vous avez une information, les gens vont vous suivre. Suivre. Suivre l'individu qui a découvert un bon site. On dit, dans ce cas, l'informateur tire bénéfice d'être suivi par les autres. Donc, les bénéficiaires tirent profit d'être suivis par les autres. Apprendre en voyant les autres individus exploiter des sites de nourriture. Apprendre en voyant ce que font les autres. Vous devez apprendre ce que font les juristes, par exemple. Les juristes, et regardez ce qu'ils font. Ils font beaucoup de bruit. Ils se vendent. Ils se vendent et ils s'imposent. Capter des proies difficiles. Ça, c'est aussi un avantage de vivre en groupe. Les individus vivant en groupe bénéficient de la présence des autres membres du groupe pour ces handicaps lors de la capture, l'exploitation et la défense de leur proie. Donc, ça, c'est aussi un avantage de vivre en groupe. Donc, parfois, je vais vous montrer, je dois avoir aussi une vidéo sur ça. Le proie difficile, hyène avec l'éléphant ou la girafe, qui est très difficile à capturer, mais lorsqu'il y a les individus font la chasse en groupe, la probabilité de capturer une proie difficile est plus élevée. Ceci est aussi valable. C'est aussi valable dans la société humaine. Il y a les informations que vous voulez obtenir ou les avantages que vous voulez obtenir dans le, par exemple auprès des autorités. Mais lorsque vous faites une revendication en solo, vous êtes seul pour faire votre revendication, vous êtes seul, c'est normal que ça ne passe pas. Mais lorsque vous voulez faire des revendications, vous mobilisez les gens. Actuellement, il y a des gens qui mobilisent les signatures. Il faut récolter des signatures. Il faut sensibiliser les autres. Les informations, lorsque vous allez en groupe ou lorsque vous allez à la table de négociation, par exemple, avec les autorités, on sait que derrière vous, il y a les gens qui croient en vous. Vous, c'est vous que les gens sont en train de suivre. Quand vous y allez, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir gain de cause que si vous allez seul. Donc, les individus vivant en groupe bénéficient de la présence des membres du groupe pour ces handicaps. Donc, capture des proies difficiles, obtention, n'est-ce pas, des gains de cause, des informations, ou soit vous pouvez obtenir des choses que vous ne pouvez pas obtenir seules lorsque vous êtes en groupe. Lorsque vous êtes en groupe, là, on sent la pression. Et là, la pression, parce que le groupe, ça inquiète lorsque les gens viennent en groupe que lorsque un individu vient réclamer. C'est ça l'avantage de faire des choses en groupe. Donc, ça veut dire qu'il faut que désormais, nous devons réfléchir sur cet aspect-là. On nous donne le modèle des animaux, comment les animaux organisent leur société.
Ce sont des modèles à l'état primitif que nous, parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous appelons la modernisation, avec l'intelligence artificielle qui nous sépare d'ailleurs, avec l'Internet, le téléphone, vous regardez dans la maison, chaque enfant avec son téléphone à côté, il n'y a pas de vie de famille. Nous avons perdu des valeurs que les animaux que nous considérons bêtes n'ont pas perdu. Les animaux vivent toujours en groupe. Les animaux réfléchissent en groupe. L'objectif ultime de vivre en groupe, c'est augmenter les succès et les productions. Manger et ne pas se faire manger. Manger et ne pas se faire manger. Nourriture et prédation. Mais chez nous, les humains, c'est ce que nous devons développer. Développer cela. Développer cela, mais il y a des préalables, comme je disais, le respect, la distance critique individuelle. Parce que vous savez que les choses ne marchent pas chez nous. Dans les groupes que nous formons, il y a plusieurs pesanteurs que nous devons bannir. Les pesanteurs qui nous empêchent de voir le bonheur du groupe, de vivre en groupe, le tribalisme. Les tribalismes, parfois aussi la religion, la tendance religieuse, ou de la religion, ça nous... Regardez un peu ce qui s'est passé avec, pour le choix du président de CENI, comment les gens sur qui nous comptons, les religieux, étaient incapables de se mettre d'accord sur la personne qui devait choisir comme président de la CENI. Ils ne se sont pas mis d'accord, les religieux. Vous voyez, les tendances. Nous devons, pour que nous ayons des groupes efficaces, on doit bannir chez les humains les tribalismes, tout ce qui est tendance culturelle, tout ce qui est tendance religieuse, tout ce qui est lié au sexe. Tout ce qui est lié au sexe, on doit enlever cela. Définir clairement les objectifs. Nous voulons faire un groupe. Si nous voulons faire un groupe de biologistes, je crois que le sexe dans ces moments-là ne joue pas. Vous n'allez pas. Il n'y aura pas la discrimination de sexe féminin. Parce que c'est un groupe de biologistes. Si nous voulons faire un groupe de biologistes, on doit bannir des discriminations liées aux tribus. Les tribus ne peuvent pas, à ce moment-là, exister. Parce que ce sont des pesanteurs, ça je vous assure, qui diminuent le degré de sociabilité dans la société congolaise. Les tribalismes, finalement, vous savez, la société, nous sommes une société, on ne peut pas faire les échanges, on ne peut pas multiplier de divers contacts s'il y a des tribalismes, si les gens ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas parce que tel est Mukongo, tel est Mulumba, tel est ceci. Non. Une société doit être homogène du point de vue objectif, mais c'est vrai que du point de vue tâche, comme nous avons dit, il faut qu'il y ait des spécialités, des spécialisations dans une société. Mais les pesanteurs, maintenant, qui nous aiment, qui font que finalement que notre Congo et notre société soient détruites, c'est surtout le tribalisme. Le tribalisme, ça on doit bannir ça. On ne peut pas avoir un groupe efficace si nous sommes encore au niveau des tribus. Il faut que nous dépassions les tribus, que nous sommes au niveau des objectifs. Donc les objectifs, qu'est-ce que nous signifie dans notre pays? Qu'est-ce que nous voulons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous voulons faire? On doit avoir un groupe. Oui, nous voulons former un groupe de biologistes pour faire quoi? C'est ça l'objectif. Mais lorsqu'on commence à chercher dans ce groupe, celui-ci est de quelle province? Celui-là, nous ne voulons pas de filles. Non, c'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est peut-être discriminatoire, tout ce qui peut être tendance religieuse, pour que nous puissions avoir des groupes efficaces. C'est à ce moment-là que nous pourrions obtenir des choses difficiles, les choses que celles qu'on ne peut pas obtenir, on pourra obtenir que lorsqu'on est en groupe. Alors, le coût associé à la nourriture,
ça, vous allez lire ça. Quels que soient les avantages de la vie en groupe, les bénéfices à tirer ici n'est pas égal pour tous les membres du groupe. Ouais. C'est ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Même chez les animaux, c'est pour dire que, mes amis, les classes sociales, il y en aura toujours. L'effort à fournir, c'est de réduire les écarts entre les classes sociales. C'est très important parce que lorsque les écarts, donc pour augmenter la sociabilité, le degré de société, pour avoir une vraie société, une société bien élaborée, il faut réduire les écarts sociaux entre, comme on dit Gombe na Gombe, on sait qu'il y a Gombe na Gombe, il y a Tcham, non. Il faut qu'on réduise cette distance-là, Gombe na Gombe, avec Tcham, par exemple, de quartier, de bidonville. On doit réduire. Il faut que. Et pour cela, ça demande une volonté, ça demande du patriotisme, de l'amour de la nation. On doit commencer par aimer notre pays. Il faut que ça demande de l'amour. Non seulement aimer le pays, mais on doit s'aimer. On ne peut pas se réjouir que vous êtes dans de bonnes conditions, vous mangez bien, mais les autres souffrent. Ce n'est pas bien. On ne peut pas se réjouir. Ce n'est pas bien, c'est inhumain. On ne peut pas former une société dans laquelle il y a des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Les riches existeront toujours. Les pauvres existeront aussi, mais il y a moyen de réduire cet écart-là. Donc, l'effort à fournir, c'est de réduire l'écart. Dans des pays que nous envions, des pays les occidentaux que les Africains vivent en Occident, ce sont des pays où ils ont créé des structures pour essayer un peu de subvenir aux besoins des pauvres. Ce sont des pays qui ne parlent pas souvent de Dieu. Contrairement aux pays africains, on parle toujours de Dieu, mais lorsqu'on regarde vraiment les relations humaines, le respect de la vie humaine, là où on parle de Dieu, à l'Afrique, on ne parle plus de Dieu, mais on ne sent pas vraiment le respect de la vie humaine. On ne sent pas. On ne sent pas. Parce que lorsqu'on a un président qui a fait plus de 20 ans au pouvoir, plus de 40 ans au pouvoir, lorsqu'on regarde la misère, les gens qui sont des multimilliardaires avec beaucoup d'argent en Occident, mais lui, il est en Afrique, mais on regarde une population très pauvre, on dit que dans ça, il n'y a pas de respect de la vie humaine. Il n'y en a pas. Donc, ici, l'objectif, c'est de réduire les écarts. Quand bien même les écarts ne pourront pas réduire à 100%, parce que même en Occident, il y a ceux qui sont trop riches, il y a ceux qui sont pauvres, mais il y a des structures concrètes comme CLC, n'est-ce pas? Ce sont des structures où on essaie un peu, quand vous êtes malade, on peut vous prendre en charge assurance maladie, au moins de assurance maladie, il y en a, tandis qu'il y a aussi de l'aide sociale qu'on donne. Ce sont de mécanismes qui permettent quand même de réduire tant soit peu un peu la misère de la population qui n'a rien. Et pour ramener cette population un peu à un niveau un peu plus élevé de vie. C'est-à-dire qu'essayer un peu de réduire l'écart et cet argent, parce que là, les riches paient encore plus d'impôts pour qu'on puisse aider aussi les pauvres. Donc, l'écart, enfin, c'est toujours, mais l'objectif, c'est d'essayer de réduire pour avoir une société très bien élaborée. La hiérarchie est la position dans le groupe des favoris, les subordonnés et ceux qui se trouvent en arrière dans le groupe. Ça, c'est cool. Alors, remarque importante, la vie en groupe comporte des coûts et bénéfices d'importance variable suivant l'espèce. Alors, ça c'est très important. Donc, vous avez les coûts et bénéfices variables suivant l'espèce. Alors, comment les différentes sortes de coûts et de bénéfices se combinent-elles pour produire une taille de groupe optimale? J'avais répondu à cette question-là. J'ai répondu à la question. Je vous ai dit que la taille d'un groupe est modulée par deux tendances, se nourrir et
se protéger contre les prédateurs. Manger et ne pas se faire manger. Manger et, je ne dis pas manger pour ne pas se faire manger, mais je dis manger et ne pas se faire manger. C'est ça qui résume la taille optimale. Donc, voici le schéma. Ça, c'est le schéma. Avec ce schéma, ça, c'est ici que nous avons la taille optimale. La taille optimale, c'est la taille où les groupes mangent. Non, mais il y a assez de nourriture pour le groupe et la sécurité en même temps. Donc, nourriture et sécurité. Donc, ici, il s'agit de la taille où vous avez un groupe qui a une couverture très élevée. Parce que rappelez-vous, je vous ai parlé de le fait de dilution et de couverture. La couverture, la dilution et la couverture très élevée ici, donc la sécurité trop élevée par rapport aux prédateurs. Donc ici, les prédateurs ne peuvent pas inquiéter le groupe. En même temps, le groupe a aussi de la nourriture ici, ce qu'on appelle taille maximale. Donc, vous avez assez de nourriture. Et aussi, les groupes est en sécurité maximale. Ici, sécurité et nourriture. Alors, plus la taille des groupes augmente, donc plus la taille des groupes augmente, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons le temps de surveillance qui diminue. Donc, quand la taille des groupes augmente, le temps de surveillance, parce que le principe, c'est quoi? Manger et ne pas se faire manger. Donc, quand la taille des groupes augmente, le temps de surveillance diminue. Par exemple, quand mon ami Francis Migalo était seul dans le butoir, la probabilité pour un militaire, un policier qui cherche un étudiant de deuxième licence de biologie arrêté était de 100%. Oui? Quand il était seul dans le butoir, si un policier entre, il dit, on nous envoie à la porte, je viens pour arrêter un étudiant de deuxième licence de biologie. Aussi longtemps qu'il était seul dans le butoir, la probabilité pour qu'on l'arrête était de 100%. On considère que l'étudiant est dans la salle en train de manger de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est l'information que je vous donne. Je suis en train de le nourrir spirituellement. Il était seul, je le nourrissais spirituellement. Il recevait la nourriture spirituelle que je donne, de l'esprit. Les policiers entrent. La probabilité de les capturer était de 100%. Maintenant, quand je regarde ici, je vois qu'il y a 4 étudiants. On veut arrêter un étudiant en train de suivre le cours de professeur Kisasa. La probabilité pour que le policier arrête un étudiant est de combien? 1/4. 1/4. C'est-à-dire, chaque étudiant a 1/4, 25% de chances d'être pris par les policiers. Donc, chaque étudiant a 25% de chances d'être pris par les policiers. Ça signifie quoi? Maintenant, si encore on ajoute encore 4 autres étudiants, 1/8,
la probabilité qu'on puisse vous prendre diminue. C'est ce qu'on voit dans ce tableau-ci. La taille est là. On a ici, avec un étudiant, deux, trois, quatre, jusqu'à un moment donné, on atteint à un moment donné, tous les étudiants se sentent en sécurité en train de suivre les cours des professeurs qui savent ça, qu'on peut considérer comme la nourriture spirituelle, en toute sécurité. En toute sécurité. Vous suivez les cours, vous vous nourrissez spirituellement, en même temps, vous vous sécurisez, vous sentez en sécurité. Vous sentez en sécurité. Nous sommes au niveau de la taille optimale. Là, on se nourrit convenablement et on se sent en sécurité. Mais en même temps, le temps de surveillance de quelqu'un qui peut vous faire du mal a diminué. Donc, la taille optimale, quand on regarde la taille ordinale, c'est le moment où il y a une quantité abondante de la nourriture pour tous les membres du groupe. La nourriture est abondante. Le temps de surveillance, la peur de se faire manger par un prédateur est faible, diminue. Et la compétition entre les membres de ces groupes est aussi très faible. C'est battre. Je reprends. La taille optimale d'un groupe, c'est quoi? C'est les moments précis où nous avons, tous les membres du groupe ont assez de nourriture, on est là, et le temps de surveillance des prédateurs, la peur de se faire manger est trop faible, et comme il y a beaucoup de nourriture, la compétition est aussi très faible entre les individus, faible voire même les gens, puisqu'il y a la nourriture, il n'y a pas de compétition pour la nourriture. Donc, c'est vraiment le moment propice. C'est ça qu'on appelle la taille optimale. C'est ça la cause du choix, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir un nombre déterminé de groupes? Ce nombre fluctue tout le temps, parce qu'il y a ceux qui entrent et ceux qui sortent. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui naissent. Ça bouge un peu, mais du moins, c'est la taille quand même, c'est un peu stable, plus ou moins stable, quasi stable. C'est donc ça. On appelle taille optimale. Peut-on utiliser ces modèles pour prévoir la taille de groupe? Oui. Si le seul bénéfice de la bande de nourriture est d'accroître le temps nécessaire pour se nourrir, tout en maintenant un certain niveau de vigilance, alors la taille du groupe optimale est celle indiquée sur la figure. S'il existe d'autres bénéfices, la dilution et accroître la vigilance, la taille du groupe peut être plus grande que celle représentée par la figure. C'est ça que je veux dire. Alors, autre facteur modulant la taille du groupe. Autre facteur qui module la taille du groupe. Ici, chez les animaux, nous avons la température, l'abondance de la nourriture, la densité du couvert végétal, l'abondance de la nourriture et risque de prédation réduite. La température peut aussi moduler la taille de groupe. Par exemple, le mâchon. Le mâchon, par exemple, dans des régions où il fait très froid. Le mâchon, vous connaissez le mâchon à Pereire. Vous connaissez, non? Le mâchon, ce sont de Yara. Parfois, les oiseaux se regroupent pour se réchauffer. Il faut un nombre déterminé. On doit se regrouper pour se réchauffer. Donc, la température peut aussi moduler. C'est-à-dire qu'on se regroupe. Un groupe avec un nombre bien déterminé pour se réchauffer. L'abondance de la nourriture. Quand la nourriture est abondante, il y a beaucoup d'espèces qui arrivent. Quand il n'y a pas cette nourriture,
le nombre de groupes s'est diminué parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. L'abondance de la nourriture. La couverture, la densité de couverture végétale. Les oiseaux, par exemple, dans une forêt, ou lorsque vous commencez à planter dans votre... Si regardez au plateau de Provence, là où nous habitons, avant, il y avait beaucoup d'oiseaux. Avant, au plateau de Provence, il y avait beaucoup d'oiseaux. Maintenant, il n'y en a plus assez parce qu'on a beaucoup coupé les arbres. Donc, la couverture, la densité de couverture végétale peut attirer, n'est-ce pas, les oiseaux. Maintenant, lorsqu'on coupe les arbres sur les sites universitaires, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, beaucoup d'espèces de mammifères, d'insectes qui disparaissent. L'abondance de la nourriture et risque de prédation réduite. Ça peut aussi influencer la taille du groupe. Les tailles de groupes optimales sont-elles stables? Voilà. Voilà, ça c'est la modèle. Le modèle, excusez-moi, qu'on vous donne pour répondre à la question, est-ce que les tailles de groupes optimales sont-elles stables? Ce n'est pas vraiment stable au sens strict des mots. Ça fluctue parce que, comme je disais, il y a toujours des individus qui entrent et ceux qui sortent. Ça bouge légèrement. La taille n'est pas vraiment stable, mais ça bouge légèrement. C'est fait que parler de la stabilité au sens strict des mots, c'est vraiment difficile. Ça, c'est le modèle qu'on nous donne. Voilà ici le modèle de CIBI indiquant la relation entre la taille du groupe et le profil des individus. Le profil est mesuré en termes de taux de nourrissage, de la probabilité d'éviter les prédateurs. Ici, la taille du groupe optimale correspond au profil maximal et de cet individu. Donc, ça dépend des intérêts, des profils, parce que, en fait, ici, ce qui fait que la taille ne soit pas trop stable, il y a toujours les individus qui entrent et ceux qui partent. Ça dépend du profil. Par exemple, vous avez un groupe donné avec taille X, avec la nourriture X1, mais lorsque la quantité de nourriture diminue, il y a d'autres qui partent pour aller chercher. Il y a toujours les individus qui bougent, qui ne sont pas stables, qui mangent partout. Vous voyez ce qu'on voit en politique, hein? Ce qu'on voit en politique, le vagabondage politique, ça existe aussi chez les animaux. Hein, les animaux font aussi de la parole. C'est-à-dire qu'il y a une taille X, mais dès qu'on ne trouve pas beaucoup de profits, d'intérêt pour qu'on quitte, on va de l'autre côté. Ce qui fait que ça bouge à tout moment, ça fluctue. Ce qui fait que c'est très difficile de parler de taille maximale. L'idée générale ici est qu'on peut s'attendre de trouver des groupes stables plus que le groupe de Thibault. Dans la nature, et le plus souvent, les groupes observés sont plus grands que l'optimum. Donc, l'optimum, c'est un peu rare, mais ça existe quand même dans la nature. Parce que pourquoi les groupes sont plus grands que l'optimum? Parce que lorsque vous avez un groupe, vous avez une taille optimale. La taille optimale, nous avons dit que c'est une taille qui est caractérisé par l'abondance de la nourriture, où il n'y a pas assez de bagarres, la compétition est presque inexistante, la surveillance est trop faible, c'est ça la taille optimale. Mais lorsque vous avez de telles conditions, ce sont des conditions qui vont attirer les autres membres à venir vers vous, vers ce groupe-là, ce qui fait que c'est une étape qui est vraiment, je dis, éphémère, parce qu'à cet instant-là, que les conditions sont très calmes, là où il n'y a pas de prédateurs, ça attire tout le monde, tous les herbivores vont aller se nourrir à ce moment-là, ça bouge à tout moment. Donc, c'est fait que ça bouge à tout moment, c'est tellement rapide que c'est difficile d'avoir peut-être une taille optimale qui peut durer longtemps. Ça bouge à tout moment, parce que dès que les conditions sont, il y a assez de nourriture, ça attire tout le monde. Et ça, dès que ça tire tout le monde, on a plus la taille optimale, mais on observe le grand groupe. Le nombre augmente, et quand ce nombre augmente, la conséquence c'est quoi? C'est la compétition qui en découle, les bagarres commencent, et là on ne peut plus parler de taille optimale. Alors comment expliquer de telles différences entre l'individu? Ça, vous allez lire, c'est très important. Vous allez lire ça. Vous allez voir comment ça se passe chez les perroquets. Vous allez lire. Les perroquets, vous allez lire ça. C'est-à-dire que le perroquet, qu'est-ce qu'il fait quand il va, il explore la nourriture quelque part?
si la nourriture est abondante, s'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup, beaucoup à manger, beaucoup de nourriture, les perroquets vont appeler les autres. Appeler les autres. Pourquoi les perroquets vont appeler les autres? Ce n'est pas parce que à cause des beaux yeux des autres. Les perroquets vont appeler les autres, ce n'est pas à cause parce que les autres sont parce qu'il est gentil. Il appelle pour diviser l'état de vigilance, pour réduire les temps de surveillance. C'est une façon de réduire les temps de surveillance, manger et ne pas se faire manger. Donc, à ce moment-là, comme la nourriture est abondante, il faut faire appel aux autres. Les autres vont manger ensemble et les temps de surveillance diminuent. C'est exactement la stratégie qu'on a vue avec Bergouette Pi. Donc, une stratégie donc, qui consiste à éviter un individu satellite pour exploiter. Vaut mieux qu'il y ait les autres pour exploiter qu'exploiter seul et se faire manger. C'est ça le principe. Maintenant, quand il n'y a pas assez de nourriture, les perroquets ne vont pas aller chercher les autres, les perroquets mangent parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Et le temps est faible. Voilà, mes amis, je crois qu'on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter ici. Comme ça, prochainement, on va commencer le chapitre. Oui? Prochainement, on va faire le chapitre 4. Ça sera la semaine prochaine. Et comme on a 2 jours la semaine prochaine, ça pourrait être très intéressant pour nous. On pourra finir notre cours. Et je vais vous donner les consignes. Alors, maintenant, j'ai envoyé les cours d'hier. Je l'ai envoyé à votre CP management, son courrier de management. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voudriez-vous m'envoyer un courriel ou adresse mail qui est vraiment valide? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer aujourd'hui? Après, tout à l'heure, je vais vous envoyer le cours, ce cours qu'on vient de voir. Je vous envoie pour que vous puissiez encore lire. Et puis, je vais vous envoyer aussi les vidéos. Hein, je vous envoie aussi des vidéos que vous devez voir. Vraiment, essayer de lire. Le week-end, je vais vous envoyer aussi les syllabus. Les syllabus exacts. Ça va? Le chef de l'État a dit que le syllabus, c'est gratuit. Moi, je suis un légaliste. Nous devons respecter la hiérarchie. Parce que si on ne respecte pas la hiérarchie, c'est du désordre. C'est ce qu'on vient de voir ici. N'est-ce pas, mes amis? Hein? C'est ce qu'on vient de voir. Nous avons dit que dans une société, il faut oublier la hiérarchie. La hiérarchie, lorsqu'on donne des instructions académiques, nous devons respecter. Donc, mon syllabus est gratuit. Alors, si les autres veulent faire autre chose, ça, ce n'est pas vraiment le mien, c'est gratuit. Donc, je vais vous envoyer le week-end le syllabus. Mais aujourd'hui, envoyez-moi le courriel valide. Je vous envoie les cours d'aujourd'hui et les cours d'hier avec les vidéos. Vous devez bien commencer à lire. Le samedi, je vais vous envoyer le syllabus. OK? Tout est OK? OK. C'est bon. Donc, j'attends que quelqu'un qui est sûr. Et quand vous m'envoyez, concertez-vous, parce qu'il ne faut pas m'envoyer beaucoup de courriels. Concertez-vous. Dites-moi, vous avez mon WhatsApp? Concertez-vous, envoyez-moi un seul courriel. Envoyez-moi le courriel, je vais vous envoyer. Si, par exemple, que les autres m'envoient aussi, bon, je peux faire ça, mais c'est trop fatigant. Oui. Oui, je vous écoute. Professeur. Oui. Essayez de l'envoyer seulement chez l'assistant, comme ça nous allons la voir. Ah bon, j'ai bien envoyé chez l'assistant. J'ai dit ceci, professeur. Oui. Envoyez seulement le cours d'aujourd'hui et d'hier chez l'assistant. Ainsi que la vidéo. OK, c'est parfait. Nous allons la voir chez lui. C'est bon, c'est fait, c'est parfait.
Je n'ai pas envoyé. Merci. Bien, alors je vous souhaite bonne journée. Je vous souhaite bonne journée. On se voit donc la semaine prochaine. C'est ça, le mardi, hein? Ce sera le mardi. Respectons l'horaire et salons nos affaires. Donc, la semaine prochaine, on travaille. Allez. Bye. Bye. Thank you.